Ah, pourquoi ça Là. continue la musique? Ah, c'est parce que je suis en lecture là-bas. Hey! Bonjour! Le Bonjour tout salam. le monde! Bonjour la France! Le salam, le shalom, Jarastafari, Jables. Émission, un petit jeu indé. Certains diront que préparé à la zob. D'autres diront l'artisanat local. Voilà, c'est ce qu'on aime. Voilà, Voilà, c'est ce qu'on aime. Zbog parmi nous, le tristement célèbre. Voilà. Fâché avec Le MV salam. depuis peu. MV qui promeut XSplit, donc il a choisi. C'est triste, hein, quand il se revendiquait indépendant, tout ça. Moi je l'ai connu à l'époque où il essayait de streamer sur Dommage. e-Live et où ça plantait, ça ne tenait pas. Et à ce moment-là, il n'y avait pas XSplit, il y avait encore le cœur. Il y avait encore le cœur, il y avait encore. Sûrement une OPSP XSplit On ne derrière, sait hein, pas, on ne c'est sait tout ce pas, qu'on on ne lui sait pas ce souhaite. Hein. qu'il attend, le Moi, streamer. si chope une OPSP XSplit, je pardonne, tu vois. Parce Voilà. qu'au moins, il n'aura pas chié sur la gueule des frères pour rien. Voilà, faut savoir également que XSplit offre aux Le développeurs micro, le d'OBS une micro. licence. Monte le quoi? Le micro, le son, le son. Ouais, ça marche pas? S'il faut monter le Bah son. si. Ah, attends, je vais monter le micro Ah, peut-être. dans le. Dans machin. Périphérique. Ah! Ah! Bah si, ça marche. Non mais faut vraiment augmenter, tu peux augmenter dessus, je pense. Attends, hop. Attends, t'énerve pas. Propriété. Écoutez. Non. Niveau. Là. Hop. Voilà. Ah! Un Ah! mieux. Ah, un, deux. Ça va là, c'est mieux? C'est un peu faible? On peut Ah, rajouter. Big Nog, le salam, frère. Le salam Big Nog. C'est bon? C'est bon, c'est bon. 20 de stream, minute. Ah, approu. Oui, là, c'est bon. Gros son, 3, 4. Ah, 9 voilà. dunk, Manaman, écoute ça. 1, 2, pas de coke, pas de crack. Pas de coke, pas de crack. Manaman. Aïe! Bon. Je disais, on disait oui. MV, à une époque, il était indé. On À une l'aimait bien. époque, voilà, ça mangeait des pâtes. Ça mangeait des Ça mangeait patotons. des pâtes au Les thon, tontons. Je vais te faire c'était goûter les compliqué. patotons. C'était compliqué Ouais. à grande Depuis, époque. il a Depuis, changé. il a rejeté les frères. Mais je disais juste avant que faut savoir un truc, c'est qu'XSplit offre à tous les développeurs d'OBS des licences. Des licences lifetime pour utiliser leurs produits. Donc ils sont pas si méchants que ça. Après, c'est une compétition qui est un peu saine. T'as des avantages à utiliser leur logiciel, t'as des avantages à utiliser VMix. Sauf qu'aujourd'hui, pour un streamer qui démarre, tu lui demandes d'investir et de mettre de l'argent dans un soft alors que tu peux le faire gratuitement. Ouais. Faut voir l'intérêt. C'est vrai que des fois, un sou, c'est un sou. Un euro, c'est un euro. Par les temps qui courent. Par Faut les temps qui courent, toujours justement. dire les temps Voilà. qui courent. Bah oui. Le salam, les frères. Oui. XSplit, c'est cher. Mais le pire, c'est XSplit, c'est cher. Mais même si t'arrives à le zouloute, c'est pas forcément mieux. Voilà. Mais bon, voilà, c'est la vie, hein. Zbog, l'Okage, qui t'éduque gratuitement. C'est vrai. Voilà. Hein? On le fait pour les frères, hein, pour la postérité, que tout le monde puisse C'est streamer. ça. Mais c'est important que après chaque stream, le mec ressent en se disant, je suis une meilleure personne. Bah oui, parce J'ai été que on n'est pas là juste détendu. pour les C'est ça. Je pour suis jouer aux dit. ménestrels. C'est ça. J'ai été distrait. J'ai rigolé. Je me suis amusé. Et en plus, à la fin, j'ai appris des trucs et je suis meilleur. Je suis un homme nouveau. C'est ça. C'est ça, c'est important, parce que voilà, on est aussi là pour faire progresser l'humanité à notre échelle, je pense. On croit en On l'homme. croit, bah, On peut dire ça. voilà, c'est l'humanisme, hein, après, c'est des grandes valeurs. Hein. Mais en parlant de ça, en parlant de grandes valeurs, le casque Voilà. HyperX, Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est? on ne sait pas. Alors, voilà. Donc, faut savoir que là, on est à Webedia. Donc, je suis venu. J'ai repris le setup quand On même est que j'avais venu fait. streamer d'ici. Ah. Donc, la maison mère, les frères de la mosquée, Webedia. Et ben, on est venu et on cherchait un casque. Parce que là, il y a un double jack et il n'y a que moi qui ai un casque. Et vous dites, oh, mais Zbog, comment fait-il? Pourquoi n'a-t-il pas de casque? Qu'est-ce que. Faut, pour, voilà. Donc, alors, on a trouvé ça dans un coin. Et on s'est dit, c'est le moment de le déballer. Voilà, Voilà. Tout faire le un monde. unboxing. Voilà. Unboxing. Tout le monde veut savoir ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, c'est un casque de notre partenaire masseur, HyperX. Hein,
comme Tokido, il avait tweeté avec le casque là, tu sais. Tokido, Daigo et... Ouais, tout ça. Tout le monde, les c'est frères. C'est bon, les frères. Je veux dire que c'est les frères. HyperX, c'est qui d'ailleurs HyperX, à la base, derrière, c'est pas Razer, non? Non, c'est Kingston. Kingston, c'est Kingston, bah oui. Kingston, bah c'est les Malaman, Malaman. Donc, ouvrons un unboxing en ASMR. J'ouvre la boîte. Attention, parce que parfois le papier peut blesser. Hein. Donc, on ouvre. Hop. Hey. Et dedans, voilà, vous pouvez voir, c'est vide. Hein. Hop, là-bas. Et une superbe boîte. On dirait des boîtes de chaussures. Ouais, on dirait les boîtes de Nike. C'est ouais, les boîtes c'est rouges. Ça. Voilà. Boîte de Nike, c'est ma pointure ou pas? Je sais pas. C'est pas. Donc, on l'ouvre ici. Ah, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Voilà, je tire sur la peau, là, toujours bien décalotée, hein, pour ceux qui ont encore... qui sait qui a encore la peau de son zizi sur le chat? C'est ça, ça c'est les vrais sondages, hein. C'est pas... comment ça? Qui roule en BM? Qui roule en BM décapoté? La décalote de ses morts. Voilà, Stropol, on va faire un Stropopol même. Ah, voilà, donc, je décalote, hop, voilà. Ah, il y avait une boîte devant de ça. Ah ouais, regarde, ouais, et il y avait papier, ça. Voilà. Ouais, il y avait le petit papier qui est gratuit, juste pour apporter un peu de prestige. Hein, comme pour les boîtes de chaussures, prestige. Il y a un truc, une notice. Voilà. Alors, la notice, elle dit quoi? Elle dit Quick Start Guide. C'est intéressant ça. Il y a la, il y a de la mousse. De deux façons. Et là, on voit la bête. De quoi? Voilà. Tu peux le brancher de deux façons. Tu peux également le brancher sur. Ah, ça marche. Sur un pad PS4 et Xbox One. Ah, ça marche. Voilà. Ah, ça marche direct. Direct. Tu branches. Il y a pas tu de souci. Tu branches, soucis. C'est bon. Voilà. Regardez, hein, c'est écrit. Hein. C'est, il y a pas de problème. Ah ouais. Voilà. Je savais même pas. C'est prévu pour. Et il y a le truc là. Si tu veux brancher. Je sais pas. En USB. En fait, t'as la possibilité de le brancher en USB si t'as pas de carte son. C'est et ça. Tu peux le brancher en jack aussi. Voilà. Voilà. Et donc là, on le prend. Tiens, on le regarde. Voilà. Et il est livré avec le micro, hein, qui s'ajoute en DLC, le micro. Là, bah, elle est où? Ah bah, elle est. Voilà. Je ne sais pas. À mon avis, ça c'était le rangement pour la télécommande, hein. Parce que ça, elle n'y est pas. Il y a une télécommande qui n'y est pas, et là je vois. Et il y a. Ouais, il y a le truc de. Voilà. Des avions là, à l'ancienne. Ouais, c'est les avions à l'ancienne, ça, le double truc là. Le jack séparé. C'est-à-dire ouais. le stéréo mono. Ouais, c'est ça. Pourquoi il. Je ne sais pas. Et la télécommande n'est pas là-dedans. D'accord, ok. Elle est peut-être dans la boîte là, parce que dans la boîte, il y a une boîte. Ah, voilà. Hop, je l'extrais. Ah non, c'est pas la... Non, la télécommande a été... Non, ça c'est les coussinets. C'est ça c'est les coussinets. Tu peux les remplacer, tu as un truc en cuir si et là apparemment c'est en mousse. Ouais en ah mousse, oui, c'est en cuir. Ça c'est pour l'hiver et ça c'est pour l'été. Ah voilà. C'est plutôt pas mal. D'accord. Ah, okay. Une petite pochette, la pochette elle est craquée. La pochette elle est là. Voilà. La pochette elle est là. Oh, c'est quand même un truc de lusque. Hein. Il coûte combien ce truc parce que... Je sais pas. Nous l'avons tous Zoulout, mais il y a une petite pochette en voilà, mode, tu mettre, voilà. Tu peux ranger ton casque. T'arrives en tournoi, tu sors voilà. Ta petite pochette, mon casque. Tu sais, ils disent, tenez, tu sais, t'en as un casque. Tu dis, non, attends, j'ai mon casque HyperX, c'est comme Daigo. Tu vas, tu sais, c'est souvent les mecs, tu sais, c'est comme au foot. T'as déjà fait arrive, là, c'est crampon. Non, t'as déjà fait du foot en club. En club, non. Alors moi, j'ai fait le foot en club. À l'entraînement, t'as les mecs qui venaient... genre en mode full Bayern, full Manchester, mais c'était souvent les mecs qui puaient le plus la merde. Le mec il arrive, il a son full kit, ouais, c'est ça. Il est préparé. Ah, c'est ça. Il a les protèges tibia. Moi j'avais vu un mec avec qui s'entraînait avec nous, tu sais, c'est la première fois que tu le vois, le gars il met la pression. Il est arrivé en full Bayern. Hein. Il avait les chaussures Adidas Bayern, les chaussettes Bayern. Le short, le short, le truc en pression, tu sais, ouais, pour ouais, enlever. Le en dessous, il y avait le maillot. Et il avait aussi le petit caouet, tu sais, le petit coupe-vent. Voilà, et en mode, il faisait des tours et tout. On se dit, putain, le gars.
Le gars, ça, il est énervé. Ah ouais, il a pas le temps, tu vois. Moi, je suis là, moi, je m'amène à l'entraînement, j'ai un sac Leclerc dedans, dans lequel je, prends, je mets mes chaussures. Tibia, tu mets mes chaussures. Polystyrène. Ouais, tu sais, tu mets tes chaussures qui sont restées 3 semaines dans le truc, là, parce qu'ils datent de l'entraînement de la dernière fois où il avait plu et qu'il y a de la mousse qui s'est commencé, il y a de la vie qui a commencé à prendre forme. Le truc, parce que tu as une moisissure, tu vois. C'est ça. C'est ça, et t'arrives, et le gars, tu lui fais une passe, il tire dans les tribunes. C'est dit, merde. Ça sert à rien. Il y a les mêmes au basket, hein. Et au basket, il y a les mêmes. Hein. Il y a beaucoup les mêmes au basket, les mecs qui arrivent en mode full Lakers, et le gars, il shoot comme ça, tu vois. C'est pas faire un 3 points. Ah ouais, il y a tellement de zombies. Ah, il y a un message quand même là dans la boîte. Tu ouais, il y a un message, il y a un message dans la boîte. C'est vrai qu'il y a un message. Un message. On peut leur dire, il y a un message. Message. Signé du président hein, d'HyperX. Ah ouais, c'est lui. Ah, welcome to HyperX Team. Ah, c'est bon, tu fais partie voilà, de la famille. Voilà, t'es dans la il t'accueille, voilà. Il comment dit, il s'appelle quand même. Enlève tes chaussures. Anders. Anders. Great Viking Williamson. Voilà, c'est le General Manager. HyperX General Manager. Fais voir à quoi il ressemble. Voir, moi, ça même. Ça me dit de voir sa gueule. Le mec, il a viking quand même dans son pseudo. Ouais, moi c'est blond. Anders Willemsen. Willemsen. Voilà, c'est ça. Kingston, t'as vu, ils ont mis ah ouais, Kingston. Ah voilà, je t'ai dit, c'est un blond. Ah ouais, ouais, par c'est contre, un il blond. A pas trop la tête du viking. Hein. C'est. Ouais, je m'attendais à un mec avec une grosse barbe, une hache, tu vois. Je sais, il a quand même été dispensé de ce. Oh, c'est un pentaro. Ah, ils veulent pas. Ouais, c'est leur pentaro, c'est cramé. Attends, comment je fais? Je rajoute fenêtre. Oui. Hop. Oui, on peut faire on ça. On peut faire ça. On peut faire et puis même qu'on va le faire. Voilà. Ok. Oui. Non. Non, ça a pas marché. Non, ça a pas marché. Non. Ça oh, putain, par j'ai contre, chié encore. Tu peux, ce que tu peux faire, c'est tu fais capture directement. En fait, faut lui montrer. Hop, hop, plus capture d'écran. Ouais, fais capture d'écran. D'écran. Capture d'écran. Okay. La source que qu'il y a, qui est visible. Okay. On s'en bat les couilles. Voilà. Celui-là. Ah voilà. Il prend voilà. Le 0. Non. Le 1. Voilà. Yes. Bah, ok. C'est ça. Ok. Ok. C'est bon. Voilà, on est là. Il le voit normalement. Là. Hop. Faut leur. Hop. Ouais. Là. Vous voyez là les gens? Non, ils voient pas. Ah, voilà, c'est là, bon, on est là. On est là. Ouais, je pense pas que c'est le même mec, là. Lui, il est trop stylé. Fais voir. J'ai le branché, je vais voir le casque s'il fonctionne. Regarde, là, il est un peu... Là, non, regarde, c'est pas le même. Regarde, là, il a les cheveux un peu bouclés. Et là, il a les cheveux raides. Raidibon. Faut regarder sur Twitter si c'est lui ou pas. Tu fais consulter la page et tu vois son Twitter. Ah bon? C'est peut-être un mec au pif, hein. C'est peut-être un ordi, tu sais, ils ont tous les mêmes noms. Tu crois? Ouais. Mais il était... Ça a pas l'air wow, d'être lui. C'est pas ça lui. Ça a pas l'air d'être lui. Ouais, il est bizarre, lui. Waouh. Oh, c'est pas lui, ça. Non, faut chercher. Cherche dans directement. Tu mets le nom du mec, le blaze, et tu vas le trouver. Ah ouais? Qu'est-ce qu'ils disent? Les mecs mettent tellement la pression, même à deux, c'est pas fameux. Hop. Bah voilà, Timothée, il est intelligent. Il dit, faut regarder le LinkedIn. Le LinkedIn? Voilà. Là, celui-là
Tu tentes, tu pifes. Bah ouais, mais ils vont bah, faut être inscrit. Non, mais bah, sinon, ce que tu fais, c'est que tu mets directement HyperX. Mais après le nom, tu mets HyperX et tu cherches le nom du gars. HyperX. Voilà. Et après, tu pifes un Google Images, il va te trouver, non okay. C'est ce gars-là. C'est ce gars, apparemment. Ouais, c'est lui. C'est lui. Il y a Chocobo qui appelle, tiens. Ah, tiens. Dis-lui. Allô ? Ah ouais. Oui, le salam. Ah bah t'as, regarde. Ça va quoi ? Il y a 20 000 connards qui sont partis chercher le gars à cause de la boîte. Bah là, on est sur le stream, là, on est en train de streamer avec tonton. Ah, je disais bien la télécommande, elle est là. Ouais, on a les médias. On n'a pas eu la télécommande. C'est chelou, bon. Ça. La télécommande, elle a disparu, je sais pas, elle est pas dedans. Voilà, ils vont dire, c'est nous, on l'a ouvert, donc on l'a volé. On t'attend, du coup ? Ah, la baiserie, on okay. Est baisé. On est baisé. Il y a Chocobo, il dit il est là dans 20-30 minutes. Bah, dis-lui de venir, oui. Voilà, très bien. Bah, à toutes, alors. Très bien, les bisous. Le tu sais, la baiserie, la télécommande, elle est pas dedans. Bisous au chat, hein, Choco, il dit. Hein. Ah. La télécommande n'est pas là. D'accord, ok. Bon bah, je repose et on le posera dans le coin. Ce stream n'a jamais eu lieu. On ira si tout jusqu'à notre mort. On le remet dedans, du coup. Non, garde-le, on va sur le utiliser. Ah, il y a le micro, je le mets là. Non, ça c'est le micro qui était déjà sur la table. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il y en a un, oui. Ça c'est le micro de l'autre casque, du coup. Apparemment, c'est pas le même modèle. Ah là là. T'as vu, regarde, tout le monde tape le lien dans YouTube, en fait. Dans Google, regarde, ouais. C'est pour ça qu'il y a... Il y a que ça. Et le mec, il met le même message dans chaque boîte de casque. Ouais, c'est ça. Qu'il écrit à la main, hein, quand même. Ça doit être relou à faire, quand même. Ouais, il y a un paquet de tout, il l'a. Hein. Tu vois, nous, on n'a pas eu la télécommande. Et là. C'est le casque de TI aussi, TI International. Ah ouais ? C'est-à-dire, en training, ils avaient ce casque-là. Et quand ils passaient pendant le tournoi, ils avaient de l'Audio Technica. Ah ouais ? Donc, les mecs, ils ont réussi à s'entendre. D'accord. TI. TI International Dota, le tournoi. Ah, oui. Dota oui. Ouais, mais Dota, tout le monde s'en fout de Dota, non ? Je sais pas, il y a plus de 20 millions de dollars à gagner. Ah ouais ? Je préfère les petits tournois du quartier. Ils sont où ceux qu'ils ont gagné ? Il y avait un mec en short. Faut que tu cherches Team Liquid. Team Liquid. Dota 2. Et tu vas aller sur, du coup, le Wikipédia. Le Likimoli. Voilà. Wikipédia, ah ouais. Ah bah, t'es HyperX. Bah, Players. HyperX, Players. Waouh. Non, tu mets directement Dota 2, ou bien... Attends, on va trouver, là. Il y a la Team Liquid. Non, il n'y a pas dans les résultats. Ton amant. Team. Waouh. Ctrl F. Pour chercher, je sais pas. Pour chercher ah, quoi. Ils sont là, Team Liquid, tu cliques là, dessus, là, ça a l'air bien. Waouh. Et maintenant, tu cherches leur roster de Dota. Ah, voilà. Voilà, Matumba Man, Miracle, Mind Control. C'est ça, Matumba Man. Ouais. Là, c'est les blases des mecs et ça, c'est leur nom. Hein. Wow. Alors, faut savoir un truc, c'est que c'est une team américaine, mais il n'y a eu aucun joueur américain qui était dans le roster et qui a gagné le tournoi. Et les mecs, ils continuaient de hurler USA, USA. Pas mal, ça. Bah, c'est comme PSG, tu vois. Quand PSG va gagner... PSG, c'est brésilien aujourd'hui. T'as plus de 5 joueurs brésiliens bientôt. Je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment des joueurs brésiliens? Mais là, ils veulent faire le venir... Le Salam. Le Salam. Je sais pas, c'est Qatari. Enfin, si c'est comme quand les films, ils sont... produit par un Chinois, réalisé par un Français et fait au State. Tu vois, le film au final, mais ça, c'est au niveau du producteur. Il est quoi ? On considère comment ? Je pense que le micro est trop fort, des fois ça part dans le rouge. Ouais, ça clip. Ouais, genre, tu peux baisser un petit peu. Ah non ? Ah, dans le... ouais, je sais pas. Je sais pas. Non, vous avez pas de soucis, vous, avec le micro En fait, le rouge, c'est une nouvelle feature qu'on a mise ça dans OBS. On te dit quand ça clip, en fait. Quand il y a du clipping, c'est-à-dire quand c'est un peu trop fort. Tu peux baisser le gain, mets-le à, je sais pas moi, 50, 60. Moi, d'habitude, je mets 75. 75, c'est bien. Ah, 74, 76. Si, ils entendent. Trop bas, ils ont dit. Donc, ils ont dit le micro, c'était bon. C'est très bien, là. Ah, c'était bien ? Ouais, je sais pas. Bah, je relaisse alors. Ok. Hey ! Et donc, quoi, Matumba Man ?
Alors lui c'est Kurokai, c'est le capitaine de l'équipe. C'est un Allemand. Allemand. C'est un Allemand. Libanais. Semi-muslim. T'as un Libanais. Tu as un Bulgare. Un Jordanien. Jordanien, d'accord. Amer El Barkaoui, hein, considéré comme le meilleur carry de l'histoire. Non, de l'histoire ouais. Quand même pas. Mais Jordanien, voilà. C'est là où on fabrique les Air Jordan. Aussi. On ne sait pas, on ne sait pas. Matumbaman. Voilà. Et lui, il est finlandais. Voilà. Ah ouais, c'est un petit team. Hétéroclite. Voilà. Hétéroclite. Ah ouais. Et ah ouais, il y avait. Non, ça c'était avant les anciens tournois, quand ils se faisaient encore défoncer la gueule. Et là, cette année, ça fait plaisir. Parce que c'est lui qui était en champ, je crois. C'est qu'il revenait des loser bracket. Mind Control. Ouais. Ouais, c'est lui qu'on avait vu qui était en champ. Ah, c'est un ancien gros porc. Non, il est toujours gros. C'est... Ah ouais. Mais il s'en fout. D'accord. Ah non, c'est pas lui alors qui était en short. Ça devait être GH. Non. Je crois pas. Non, c'est Matumbaman. GH, c'est le mec. Je pense que c'est Matumbaman. Ouais, lui, il a une tête voilà. À être en short. Ah, lui. Voilà, on dirait toi avec 20 ans de moins. Un peu. Et il a mon bonnet. Hein, ce... ah, il a le bonnet. J'avoue, il a le bonnet. Bonnet H&M. Hein, H&M de 2 euros, je crois, il fait. Incroyable. Hein. Pas mal. Bah oui, H&M Finlande-Suède, on est dedans. Bah ouais, c'est ça. Même bonnet de con. Même bonnet de con. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, Big Nog? Il a pris la confiance ou quoi? C'est 4, c'est quoi? Benetton. Ah voilà. Non, mais il a raison. 10 millions. 10 millions? Et ils ont fait gagné. Combien? Ah, 10 millions en tout, mais combien ouais. Chacun? Faut split parce que je crois qu'il y a une partie des gains qui part pour le manager ouais. Et une partie pour l'équipe et ouais. Le reste est pour les joueurs. Mais Valve oblige l'équipe à distribuer la plus grosse partie des thunes ouais. aux joueurs, d'accord. Mais eux, ils s'en foutent parce qu'ils ont gagné quand même. Enfin, ils ont fait des classements cette année. Il y a eu plusieurs ouais. majors, ouais. Donc ils sont bien. Ah ouais, ouais, bah oui, parce que c'est pas le seul qu'ils ont gagné dans l'année. C'est pas le seul. Après, tu peux regarder, tu peux vérifier. Tu vas sur eSport Earning, tu vois à peu près combien ils touchent, les mecs. Oh, c'est l'eSport. Hein. Lui, il a gagné combien, lui? Mais ça veut rien dire, quand même. Hein. 10 millions de dollars. Et Game Newell, ah, le mec, total il a dit... earning, là, il est à 2 millions? Ouais, lui, il a 2 millions. C'est ce qu'il a gagné, lui. Mais cette année ou... Bah, là, c'est cette année avant le TI. Parce que j'imagine ouais. qu'ils n'ont pas encore fait les splits et tout. Ah oh, ouais. Parce que la saison n'est pas finie. C'est pour ça qu'il joue à ça, Luffy. Non, Luffy, il joue à ça, je pense, parce qu'il aime bien le jeu. Il aime bien déjà le jeu. Après, je sais pas s'il a envie de jouer au niveau compétitif. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus d'argent à se faire dans Dota aujourd'hui que dans... Bah regarde, là, cette année, chez Capcom. Il est bien. Hein. Bah tu peux regarder. Tu vas sur Dota 2 Prize Striker et tu regardes cette année combien de thunes il y a eu dans le jeu. Dota 2. L'argent, on parle gros sous. Dota 2, quoi? Dota 2, Prize, P-R-I-Z-E. Ils ont dit 2 millions chacun. 2 millions chacun, selon eSport Earnings. Ouais, eSport Earnings. Mais eSport Earnings, en fait, il inclut pas les sommes des sponsors et tout derrière. Ouais, international, tu peux regarder, ou bien même le Prize Striker tout court. Tu cliques là-dessus. Oh là là, ça fait mal à la tête, hein. Donc là, il te dit, le premier, il a dit, voilà, première équipe, il y a 5 joueurs. Mmh. Donc, il faut que tu splits. Il y a une partie qui va dans le gars. Ah, c'est plus de 10 millions. Oui, c'est un petit peu plus que 10 millions. D'accord. Bah, tu vois, genre, les derniers, les mecs qui ont été invités, le mec, il arrive, il sort du tournoi, il meurt en poule, ouais. Il rentre chez lui, il a quand même 100 000 dollars. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu fais un petit séjour à Seattle. Waouh. Alors ça, c'est la courbe de comment ils ont gagné de l'argent. Parce que les gens, en fait, ils achètent ce qu'on appelle un compendium dans le jeu. Mmh. Et pour chaque compendium qu'ils achètent, il y a une partie qui est reversée dans le cash price. Oh là, ça me fait mal à la tête. Et si tu regardes tout court sur le price pool, tu vois à peu près les autres tournois et combien d'argent il y a eu. Tu vois, genre, par exemple, l'Asia Championship, il y a eu 617 000 dollars. T'as des petits tournois un peu schnapsés, tu vois. Ouais, le petit truc de la MJC, c'est 140 000. Voilà. C'est un Evo. Oh là, c'est violent. Bon, on va jouer à Dota, hein, je crois.
LOL, ça rapporte plus que Dota? Faut voir, je sais pas, LOL est sorti avant, LOL est sorti en 2009. Faut que tu regardes, faut regarder dans eSports Earnings, ils font des tableaux comparatifs, Ah ouais? ils te disent genre les 25 premiers joueurs qui ont gagné le plus d'argent, combien d'argent ils ont gagné, tu peux le comparer à Dota. Esports. Earning, ouais, eSports Earnings, t'as le site, et tu vas dessus, tu regardes. Et lui, il va te dire voilà, qui a gagné le plus de thunes. Bah, Dota 2, par exemple, au total, depuis que le jeu existe, il y a eu plus de 125 millions de dollars de cash prize. League of Legends, il y a eu 41 millions. Alors que Ah. Dota 2 est sorti après et LoL est sorti avant. Mais ils ont peut-être un meilleur business plan ou je sais pas. Moi, je pense que eux, ils essaient de réinvestir dans le hip-hop. Tu vois, ils se disent autant faire plus d'events. Et de l'autre côté, on fait moins d'events, mais on donne plus d'argent aux gens. Ah ouais. Après, tu peux regarder, tu vas dans Games, tu vois, il va te citer les jeux, il va dire ouais, où est-ce qu'il y a de l'argent? Waouh. Y a pas comment ça Street Fighter. Bah si, tu peux chercher, fais un contrôle F Street et tu regardes. Voilà, Street Fighter 5. Ah ouais. Voilà, il a listé tous les tournois, il te dit combien d'argent il y a eu dans le jeu. Et USF4, 738 000. Putain, on n'a même pas atteint 1 million, quoi. Ah ouais. C'est le 28e jeu. Fitting. Il y a Smash Bros Melee, il doit être. Ouais, Smash Ouais, Bros, il est. Smash Bros est devant, ils sont Ouais, mais 20e. ils sont devant parce que Oui, mais aussi regarde le nombre le. de joueurs, regarde le nombre de joueurs à peu près compétitifs, tu vois, qui sont listés. Ouais, T'en mais as c'est beaucoup surtout que plus. le jeu il est sorti en 97, quoi. Mais mec, mais d'un côté t'as 64 tournois et de l'autre côté t'as 2100, ça veut rien dire. Ouais, parce qu'il est sorti depuis plus longtemps aussi. Donc forcément, plus de tournois, plus d'argent. World of Tanks? Putain, ils mettent de l'argent dans le jeu! Bah ça c'est les jeux des Ruskov. Pouah! Mais c'est ça qu'il faut jouer en fait, c'est Pentaro qui avait raison. De Faut jouer quoi? à Halo. Bah Halo c'est Xbox, c'est les tournois, il n'y en a pas beaucoup, il y a eu 48 tournois. Ah ouais! Tu regardes sur les 48 tournois, ça te fait... Ouais, mais je veux dire, il y a moins de Je sais gens à combien. battre. Ouais, il y a moins de gens à Ouais, tuer. Tu ouais! peux espérer avoir un niveau. Attendez, je vais essayer de zoomer pour que les gens y voient un peu mieux. Voilà. C'est ça! Parce que là, t'as moins de 200 connards à tuer et tu peux gagner beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux gagner beaucoup. Tu peux gagner beaucoup. Après, il faut voir la répartition du cash prize. Est-ce que c'est tout pour le premier? Comment ils font les trucs? Warcraft? Warcraft 3 est 11e. Ah ouais, Warcraft 3. Ça stoppe là-dedans? Bah, y a encore des gens qui jouent, mais ils jouent pas sur Battle.net, ils jouent sur un espèce de truc bizarre. ArenaNet, je Ah crois, je sais ouais, plus. donc le premier c'est Dota, il n'y a même pas d'embrouille. Mais pourquoi? Alors comment t'expliques que Dota 2 marche moins bien que League of Legends? Bah ça c'est parce que nous on est en France, on est dans notre bulle, on n'en a rien à foutre. Oui, c'est un problème en France alors. Et après, quand t'as des représentants aussi charismatiques que Ça Luciano, enfin à un moment donné, faut pas s'étonner. balance sur les collègues. Non mais c'est. Moi je le dis honnêtement, enfin après il fait un taf, hein. Il fait un taf, il y a du travail, tu vois. Je ne te permets pas, au sein de Webedia, de remettre en cause le charisme de Luciano. Mais c'est bien, il a fait un travail. Il peut demain aller taper, ramener des frères, prendre Fucking Mad, lui dire de venir, essayer de monter une émission, promote un peu le truc. Ouais. Fucking Mad, faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il est considéré comme le meilleur manager dans Dota. Le Pourquoi mec, c'est lui qui a gagné là? bah en fait, c'est pas lui qui a gagné directement, mais il est manager de la team OG. Et OG a gagné les 4 majors de cette année. Ouais. Ils ont réussi à sortir C'est un premier. Européen, lui. Lui, c'est un Européen, c'est un Français. C'est un Fucking Français? Mad, c'est un Français. Bah c'est lui qu'il faut inviter Bah, c'est alors. lui qu'il faut inviter, mais sauf qu'aujourd'hui, voilà, il en a un peu rien à foutre Oui, c'est sûr. de l'eSport Game. Et tu vas venir, tu vas lui dire, voilà, écoute, on monte un projet ensemble. Faut essayer d'expliquer, faire de la pédagogie, il n'a pas le temps. S'en bat les couilles, lui. Bah, ça fait 2 ans qu'il manage, et en 2 ans, il a atteint des résultats que des Asiatiques, notamment des Sud-Coréens ou des Chinois, n'ont pas réussi. Fucking man, il a quelle tête? Fucking Faut mad. voir sa tête. J'aime bien voir la tête. Il a des lunettes, hein, attention. Il sait de quoi il parle. Ah! Il C'est sait. avec un 7 en fait, mais cherche fucking Mad Dota, tu vas trouver. Mad Dota. Dota.
C'est quoi, image? Voilà, c'est lui. C'est lui là? Lui là. Lui? Voilà. Avec les cheveux au gel. Voilà. Lui, c'est un Français. Lui, c'est un Français. Et lui, bah, il a fait plus de thunes et que là, les joueurs. Là, il est en mode manager. Ça, c'était à l'époque de son ancienne team. Ah ouais, ouais, c'est voilà. Aizen, quoi. C'est Aizen. Là, quand il jouait, t'as l'impression qu'il était gentil. Il s'est digivolvé, il a mis les cheveux en arrière, il a enlevé les lunettes. Et c'est fini. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est bien. Il a une bonne analyse. Il a essayé d'être caster à un moment donné. Mm. Il a essayé de faire des présentations de tournois. Et aujourd'hui, il s'est dit, voilà, je vais aller dans le commentaire et dans le management. Et il s'est rendu compte voilà, qu'il a une carte à jouer là-dedans. Et c'est un des rares domaines dans lequel on peut dire qu'il y a un Français qui a percé vraiment. Quoi. Parce que quand tu es manager d'une team comme OG, je t'assure que tu as la pression de ouf. Ah ouais, je crois qu'il doit avoir un ulcère ou deux. Je pense que s'il ramène pas de l'argent, il y a moyen qu'il se mange des patates. Surtout que tu as des Chinois de Macao qui parient sur les games et sur le nombre ah de ouais minutes où tu vas mourir. Il y a ça ah, Dota, c'est pourquoi il y a autant de pognon d'après toi. Ah ouais, c'est le bizarre. Jeu n'est même pas managé par Valve. En Chine, le jeu est managé par Perfect World. C'est-à-dire, même Valve, ils ont abandonné. Ils ont dit, on n'y arrive pas. C'est trop compliqué. C'est qui Perfect World ? Perfect World, alors c'est un gros éditeur qui est une filiale, une branche de Tencent Technologies. Ah, donc c'est les Chinois. C'est les Chinois. D'accord, ils voilà. ont dit, ils ont dit, on vous laisse. Le jeu chez nous, on le gère, laissez-nous. Et Valve a dit, ok. Ah oui, là, bon, là ils n'ont pas eu le choix non plus. Ouais, c'est compliqué. Ils ont envoyé un chinois énervé. Tu peux ne pas passer la douane. Ou ne plus rentrer. Ah ouais. On ne sait pas, on ne sait pas. Ouais, c'est bien. Y a... Voilà. Mais tu noteras qu'il y a moins de joueurs dans Dota et ça gagne plus de thunes. Ouais, ouais. Si tu cliques là sur le truc de Dota, enfin, ouais. Ça je pense qu'il peut te faire un comparatif Dota LOL. Tu crois Ah là là. Tu vois, là, les top players, tu regardes là dans le top 25, il n'y a pas un joueur qui n'a pas dépassé le cap des 1 million de dollars. Ah ouais, c'est violent. Et tu sais, même si tu joues en semi-pro, il y a un truc qu'il faut savoir, les gens, c'est que si vous jouez en semi-pro à Dota, même le week-end, vous pouvez avoir du cash prize. Ah, c'est lui, le Pakistanais, là ? Ouais, Soumail Hassan, le si. Mec qui volait le vélo de son frère pour aller jouer à l'autre bout de Karachi. Ah, il n'y a même pas de photo, ils l'ont pas non, respecté. Non, mais tu peux le trouver sur Wikipédia ou... Son pseudo, c'est son... Soumail Hassan, ouais. Oui, il a pas le temps, il s'en bat les couilles. Ça, c'est un des rares jeux où quand t'es arabe ou voilà, ou, tu c'est peux lui essayer de gagner. C'est lui, ouais, c'est un petit. Et à l'époque où il a gagné, lui, TI, avec Evil Geniuses, il avait 16 piges. Ouais, il a 18 ans. Oui. Crois, mais il est tombé dans la potion magique, lui. Bah lui, on lui a pas donné le choix, je pense. C'était soit ça, soit, je sais pas, le service militaire ou... D'accord. Un petit pacatou comme ça. Tu disais, il volait le... Il volait le vélo de son frère. Il racontait ça. Il volait le vélo de son frère pour traverser Karachi, parce qu'il n'avait pas de PC chez lui, pour aller jouer dans un cybercafé. Et il s'est entraîné comme ça. C'est des mecs qui ont réussi quand même à vaincre la maladie. C'est un mec du hood, lui, quand même. C'est un peu du hood. Après, bon, aujourd'hui, il vit plus pareil, tu vois. Mais voilà. Il y a de tout, hein. Tu regardes, c'est plein de nationalités différentes. Si tu vas regarder, par exemple, League of Legends, tu vas voir dans les mecs qui gagnent, bah, tu vas avoir beaucoup de Sud-Coréens. Ah ouais ? On regarde, hein, si tu descends, tu fais une étude de... Voilà, ah ouais. Tu vois, ça c'est voilà, la Corée du Sud, la maladie. Corée du Sud, les Chinois. Voilà. Et si tu regardes, il n'y a que le premier qui a passé le cap, Faker, qui est un joueur très fort, attention, ouais. qui a passé le cap du million de dollars, ouais. et tout le reste derrière, ils sont en dessous. Donc vaut mieux jouer à Dota. Bah, si t'es un peu malin, t'essaies de jouer à Dota, t'essaies de percer même en faisant du semi-pro. Putain, il est où le premier français de, quoi ah, il faut mettre mort, je sais pas. Il faut mettre mort sur trois générations. Tu regardes, je sais pas, Top Countries. Ah, il est français. Ah, voilà. Voilà. Paul Boyer. Paul Boyer, tu le connais ? Paul Boyer, non. Mais Boyer, c'est un nom de Yableo. Hein, j'avoue, c'est un Yab lui. Attends. Pas, il est peut-être un Yab, on ne sait pas. On va voir, attends, faut voir la photo. Voir la photo. Ah, ça va toujours voir la photo. Tout de suite, mal parler des frères. Ben non, mais je ne sais pas.
Allez, ce Google, il va. Ah, j'avoue, les petites têtes quand même. Fouah ! Il a l'air maléfique, hein. Ah, il a quand même un front national, hein. Ah, j'avoue, il te met un coup de tête, et t'es mal, hein. Il te met un coup de tête, tu saignes pas, mais hémorragie en turn, tu t'écroules 2 mètres plus loin. Après, il est chez Fanatic, tu vois. Ah ouais ? Faut voir ce que ça donne. Je sais pas s'il a changé de roster depuis. Mais c'est bien. Ça veut dire qu'il y a, des Français qui arrivent à gagner dans le jeu. Dans Dota, tu peux chercher des Français, je pense que on va galérer. Ah, les bâtards, ils ont dit blanc fluo, les mecs. Et il y a Yellow Star. Yellow Star. Ah, c'est un Français, lui, Yellow Star, Il est Français. Ah bon. Je croyais que c'était un Américain. Il est chez... Il est chez nous, lui. Il est pas chez Webedia, lui. Team Solomid. Non. Il est, c'est pas lui qui l'ont... Bah, il est parti peut-être, regarde. Ah, Yellow Star. Il a été Millennium. Il a pas été Psycho, SK, et là apparemment il est peut-être parti. Je sais pas, faut voir. Millennium, il était pas dans PSG là, PSG eSport. Moi je sais pas, hein, tu sais, je suis pas trop. Le bah mec. Non, mais moi c'est juste que ouais. Des fois, tu sais, je passe dans le couloir là-haut, je vois les mecs qui sont sur. Sur le jeu. Les vois, ils s'entraînent. Je les vois, ils ont un t-shirt, un truc. Moi ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est que les mecs ils s'entraînent beaucoup, mais ils gagnent pas grand-chose en ce moment, quoi. Il est chez PSG. Mm. Ah, tu vois, il est chez PSG. Ah bah peut-être. D'accord, ok. Mm. Ah, il y a quand même coréen chinois principalement. Mm. Et c'est ça, c'est le jeu. On peut dire que c'est le jeu des Coréens. Ça a repris un peu le relais sur StarCraft ou. Ouais, ou c'est vrai, jeux. c'est vrai. Ah bah là, dans les 20 premiers, il y a. Ah si, il y a un Taïwanais quand même. Ah mais lui, il s'est perdu. Je suis pas sûr qu'il habite mais qui s'appelle Bébé déjà de base. Bébé. Bébé. Clear Love. C'est vrai que c'est ça qui met le goût, qu'ils ont toujours des pseudos à la, de sac. Faker, il est connu, lui. D'accord. 21, il a. Putain, mais les mecs, ils commencent à quel âge? Ils ont pas le temps, quand même. Après, c'est l'APM, tu vois. Tu joues à des MOBA, faut être bon en micro. Et StarCraft 2, tu crois, il y a des Coréens? Je pense que c'est le jeu des Coréens. Mais ça continue les... Ça continue, les tournois et tout. Ça continue, ça fonctionne. Sauf que là, chez Blizzard, ce qui a pris le relais, c'est plus Hearthstone et Overchias. Et Stefano, il est là quand même. Bah, Stefano, je sais pas s'il joue encore. Ah ouais, dans il était pas censé à un moment donné faire des études de médecine, tout ça. Ouais, je sais pas, peut-être la maladie l'a rattrapé. Mm. Et un Snut. Snut. Un Snut. Voilà. Ah ouais, sinon c'est ouais, il y a trois mecs et trois mecs pour 50 voilà. Coréens quoi. Si tu fais du mort, ah ouais, là c'est Hartshow. Ah ouais, c'est ah il y a un mexicain. Putain, il a dit Carlos Lopez. Il a dit joue pas Kof, moi je vais les gagner. Pourquoi pas. Bah Juan pas. Carlos, tu t'appelles Juan Carlos. Juan c'est Carlos invincible. Lopez, c'est ouais. Jean-Charles. Jean-Charles, Juan Carlos. Oh, il y a Lilbo. Ah, voilà. Lilbo. David Mosqueto. Ah ouais, tu le connais? Non. Il va à la Mosqueto, lui, hein. Ah, sa tête, quand même. Ah, il a l'air énervé un peu. Tu penses? On dirait qu'il veut taper. Tu sais, il regarde comme ça le ciel, si tu sais pas, le mec. Pas mal. Ouais. Et donc, ça veut dire il y aura tous les mecs de Street et tout. Attends, on va voir. Tu peux regarder. C'est où Street? Street, ça a l'air d'être loin. Je crois que c'était dans 20e dans la liste des jeux. C'est un peu plus haut. 28, je crois, ou 20. Street ouais, voilà. 5, ah. Voilà. Qui a gagné le plus, alors on va regarder. Faut descendre dans la liste. E-League. Ah ouais. C'est l'oncle Doux. Hein. Du coup, Dong. Punk. Punk, infiltration. Ah ouais, mais c'est la misère sociale quand tu vois à côté. Mais là, c'est pas update parce que regarde, Tokido, il est quatrième sur la liste, on lui met que 72 000 $ alors qu'il a gagné l'Evo. C'était quoi le cash prize de l'Evo? Ouais, je sais pas, c'était pas ouf, hein, je crois. Ah ouais Evo... Est-ce que c'était moins que le CPT? Evo 2017, oui, ça doit être. Ah, moins. 76 000, bah du coup, voilà, ok. 76 000. Putain, ça fait tiède quand même. Ça fait vraiment pitié. Non, mais c'est vrai, c'est. Moi, et il a 72 000. Oh, j'ai mal au cœur parce que tu sais que derrière les mecs ils essaient de se motiver et tout et il n'y a pas d'argent quoi. 76 000, il a gagné 35 000. Ben, 35 000. Hein. Donc le Doux. Et il est même pas dedans Luffy? Luffy, il faut regarder, je sais pas. Sinon, ah, Luffy, là, c'est si. Plus, c'est rapide. Hein. Luffy, il est là.
Putain, c'est... Putain, rien gagné, mec. C'est pas dingue. Non, c'est pas ça, c'est que c'est là, tu réalises un truc. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, quand tu joues un jeu de baston au niveau sportif, tu peux pas te permettre de pas avoir de sponsor et de pas avoir de salaire. Ouais. Tu vois, c'est contrairement à d'autres jeux où tu peux vivre juste d'un gain de tournoi, là c'est pas possible. Il y a pas l'autre là, comment ça s'appelle? Ah ouais, il y a pas clic sur mort, tu vas voir hein, c'est... Comment il s'appelle putain merde. L'anglais Ryan Hart. Il ben, faut regarder. Faut parce que Ryan Hart, il est là depuis le 1 lui. Sinon tu cherches son blaze, ils vont parce qu'il est dans dire, il est dans je sais pas moi contre F Ryan. Il y a Brolinho, il y a Lijo. Ah ouais, mais c'est sur Street 5 aussi. Mais tu peux regarder dans Street 4 si tu veux. Il y a les deux jeux. Ah ouais. Ouais, tu peux regarder combien les mecs ont gagné à Street 4. C'est un peu plus bas, je crois que c'était genre ouais, 28. Ouais, 28, 28 en dessous, ça doit être un peu plus bas. USF 4, voilà. 40. Là. USF 4. Et il y a eu. Putain, il n'y a pas eu beaucoup d'argent quand même. Putain, Kazunoko. Ah voilà. Kazunoko, ah. 144 000. Voilà, on parle bien. Bah oui, parce qu'il Luffy, 5e, 38 000 dollars. Ça, déjà. C'est là, celle-là, c'est mieux déjà. Regarde Sonic Fox avec tous ses évos. C'est pas à jour, c'est pas possible. Bah, peut-être que c'est pas à jour. Choco, il nous dit il est là-haut, faut aller l'ouvrir. Et bien sûr, c'est fermé. Ah, bah on va faire une pause alors. Oui, c'est le moment de la pause. C'est le moment de la pause. C'est le moment de la pause. Voilà, dans le café. Quand même censé jouer à un jeu, hein, dans le café jouer. E-sport. Voilà. C'est le café e-sport un peu là. Café e-sport. Oui, ah oui, c'est vrai qu'on devait jouer à un jeu. Ben, c'est ça, on s'emporte. Hein. La passion, c'est ouais, les jeux vidéo, c'est la passion là, avant tout. C'est ok. Ben, on fait la pause, les amis, et on revient avec de meilleures intentions. Hein. Je pense que c'est le mieux. Hein. Faut leur dire pardon quand même. Pardon. Oui, pardon. Pardon pour ces digressions. Et quoi ? Il va voir ton Twitter. Ok. Qu'est-ce qu'il a, mon Twitter ? Ok. Je vais aller voir le Twitter. Qu'est-ce qu'il a ? La culturation. Ah ! Il est là. Hein. Il y a un petit. Voilà. On a un petit. C'est bon. Ok. Ok. Bah, merci, Poutissu. On va le mettre à la pause. Vas-y, on va chercher Chocobo. A tout de suite, tout le monde, dans 5 minutes. We'll be right back.
Béo. 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 Ouais, c'est bon, on est de retour. On est de retour. Béo. Hop. Gauche, le côté droit des histoires. On sait pas. Oui, on va jouer aux jeux vidéo. Voilà. À la base. À la base. À la base, c'est ça. C'est cette passion commune qui nous réunit. Hop. C'est là. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça le jeu. Le jeu, c'est un petit jeu indé. Petit jeu indé. Hop. Ah, ça marche. Résume. Est-ce qu'on entend? Je pense que c'est un peu fort, peut-être. Je baisse, on peut baisser, nous, là. Là, ça va? Ça va. Maladita Castilla. Alors, dire ce que c'est. Ah, c'est un jeu vidéo comme le jeu, là. Ghouls and Goose, Ghouls and Goblins, Makaimura. Makaimura, voilà, c'est un Makaimura indé fait par des Espagnols. Ces Espagnols. C'est des Espagnols. T'es sûr? Ouais, c'est des Espagnols. Ah, c'est celui-là, c'est celui-là, oui. Il est gratuit, donc voilà. Donc c'est aussi, c'est pour ça qu'on y joue. C'est l'un des choix. De... Don Ramiro Quesada, donc voilà. Les temps sont durs. Quoi, 8 for followers and put the end to this nightmare. Yes, my king. Voilà. Donc l'histoire est succincte. Hein. Il faut aller chercher. Ouais, t'as vu. 2012, c'est presque rétro. Ah ouais, c'est 2012. Ouais, je sais pas. Ah ouais, c'est Makaimura. Hein. Y a pas d'embrouille. Hein. Ah ouais. Bah, il faut tuer les trucs. Ah, y a le même saut bizarre là de chiasse là, tu vois. Putain, qui te fait toujours tuer dans les pires salons. C'est un jeu speedrunnable, hein. Tu noteras, il y a le chrono du speedrun. Hein. Ah ouais? Le speedrun. Les speedrun dédiés. Speedrun compatible. Et il n'y a pas de coffre ici? Il faut voir, pas petit coffre. Petit coffre 98. Ouais, est-ce que c'est comme dans Ghouls and Goblins, justement, le premier coffre, c'est une banane, là. Les pesetas. Oh, j'aurais dû rester en haut, je suis sûr, j'aurais dû rester en haut. Oh là là, ça sent. Je demi-tourne. On peut repartir en arrière. Ah ouais. Ah, et ça, c'est mieux que Makaimura. Dans Makaimura, tu pouvais pas le faire. Ah non, l'écran, il se bloque et... T'avais choisi, c'était fini. Les choix étaient décisifs. Speedrun. Par contre, la serpette. Pas mal. Ah, ça a l'air pas mal. C'est une serpe. Une serpette. Ah par contre, t'as des cœurs, t'as pas. Ah ouais. Vite, le poulet. C'est bon. Le poulet. C'est vegan hein, comme jeu. Je sais pas si t'as vu, il y a l'émulation quand même. Ouais, bah oui, c'est stylé ça. Ah il a pas la garde sur les lots. Oh là là, les oiseaux. Ah, les oiseaux. Les oiseaux rouges. Il est bien le petit Sonic Boom là. Putain, et je. Ouah, il a fait le. T'as vu? Ah, ouais, quand il tombe, il fait le. L'écartement jambier. Ah putain, je voulais aller là-haut, je suis baisé. Je suis sûr que là-haut, il y avait des souvenirs. Je peux pas retourner en arrière. Hein? T'es sauté de toi en toi? Bah oui, bah là je peux pas. Un bouclier. Tu peux peut-être appuyer sur un bouton pour protéger. Je sais pas, je pive tous les boutons. Non. Peut-être s'il y a des gens, ils me jettent des trucs, j'aurai la garde. Je sais pas. Tu vois? D'accord. Ah, c'est juste que j'avais le frein d'armor, d'accord, ok. Les codes d'armor. Ouais, c'est un peu crade, hein, ouais. C'est berserk, quoi. Makaimura, c'est plus rigolo, tout ça.
Puis il y a la musique aussi. Oh là là. Oh là là. Ah voilà. Pour faire le truc là. Tu sautes et que tu fasses passer ton arme derrière. Tu penses? En fait, quand il te frappe, oh là là. Il a l'air invincible. Hein. Ah oui, d'accord. Ok. Oh, mais j'ai pas. Il est pas rond. Oh là là, rip. Bah ouais, mais j'ai la pire. Mais non, mais si j'ai la pire arme. Avec ça, oui. Avec ça, c'est bon. Je peux rester loin et comme ça fait tout l'écran, tu vois, c'est easy. L'autre, j'avais une range où il faut que je me. Tu vois, où je me rapproche. Donc forcément, c'était dur. Arme, elle revient. Oui. Oui, elle tape sur le retour aussi, oui. Bah oui, je dis pas qu'elle était pas bien, mais elle n'était pas adaptée à la situation. Tu vois, regarde la easy avec cette arme. Ah, petit coffre, faut le casser. Un coffre 98, mais comment je le casse? Faut viser le coffre. Bah je peux pas viser. Ah, on peut! Okay. Oh. Putain, c'est un skill, hein. Un pistil. Waouh, un assist. Oh, il est craqué le jeu. Ouais, il y a un groupe en short. Hein. Peut-être le tuer avant, non? Oh, on peut pas tirer. C'est ah là là! On va le tuer d'en bas. Hein. Oh, il est jamais mort. Ah si, putain! Oh là là! Putain, salopard. Ah, ça arrête du temps, ça. Ah non, ça t'a réveillé du temps. On peut pas tirer là. Le saut de chiasse là. Oh là 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 là, je suis au zéro. Je vais t'obliger quand même à bourriner un peu là. Putain. Ça a l'air bien ça. Oh là là. Oh putain, le cross up. Là c'est une pisse. Oh là 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 là, c'est juste ton arme, elle était pétée. Ça se pète les armes. Et là t'as perdu l'assist. Hein. Tu sais pas, t'en penses quoi? Bah non, c'est bien, c'est. Pour un jeu gratuit. Un jeu gratuit, hein. On le rappelle. Alors, les gens ils peuvent le télécharger sur le site, y'a pas mal de. Je crois qu'il y a une version payante du jeu, version X. Ah, c'est la version X qui est payante. Fait, je crois qu'il y a des assets ou des trucs comme ça. Moi, c'est juste des points. En fait, c'est le moment d'aller. Ah, tu peux choisir, tu peux attendre l'arme craquer. Le pif. Oh, oh la surfaite. Ah mais c'est pas... En fait je croyais que c'était le point d'interrogation. Je vois là mais... Oh là là, bah, il est... celui-là qui saute là, il est... Oh la baise. T'étais passé, fallait attendre qu'il rebondisse, en fait tu peux remonter. Mais je crois qu'on peut pas, sauter par dessus. Oh. Oh là là. Hein? Ouais, je crois, c'est ouais, tellement la frame. Tu sais, contrairement à ma Kaimbra, t'as quand même 3 coeurs. Ouais. 3 fois. Bah oui, non, ouais. Tu veux le son du jeu? Ça, c'est la serpette sur le bas. Ça, c'était bien, ça. Ah, c'est vrai qu'on peut tirer vers le haut. Putain, je suis con, je vais le tuer. Oh oui! Il est pas si bien que ça au final. Bizarrement, ça perd, ça c'est revient pas, sur ouais, le, c'est pas, c'est le pas, jeu, les moyens. Oui, mais en fait, je suis bête, oui, je peux le bourrer de là, là, tu vois. Putain, je suis bête. Ah! Ah! Wow. Ah mais j'entends pas avec le casque en fait. Voilà. Alors que quand je bourrais d'en haut, j'étais jamais mort là. Il s'arrête à la flemme ce scélérat. Attends, ça va. Voilà.
faut le tuer à l'instant. Tu sais que ça fait super. Ok, là je suis bien. C'est un gros poke. Gros poke. Voilà. C'était que... Ah non, pas la serpette. Pas ça non plus. Je kiffe l'épée. Ah bah c'est ce que j'ai. Oh, je suis complètement couillon. Oh là là, oh là là, c'est quoi ce verre de terre? Et en parlant de verre, il y a le jeu là qui est disponible, qui est bah oui, dans une heure. Je crois qu'on va le faire. Bah oui, on va le faire, on va le faire. En plus, il y a du versus. Comme ça, on va jouer avec Chocobo. Nidhogg 2, il est sorti il y a. Le jeu, il est sorti là, il y a. Il y a quelques frames. On va jouer à Nidhogg 2. Il est sorti en 2 ans dessus. Et il a l'air bien dégueulasse, donc il est encore mieux que 1. Ah, les personnages ils sont dégueu, l'animation, tu sens que les mecs ils ont rien bossé. Ah ouais? Putain. Ah oh, oh là 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 là. L'acide. Ça reste. L'acide gastrique. L'acide aminé. Oh là là. Oh là là, avec ses petites mains là. Je crois que c'est un chopper. Ah les petits bâtards. Ah putain. Toche ton moment. Putain, comment il s'appelle? Bon, on va jouer à l'autre jeu, hein. C'est mieux, hein. C'est mieux. C'est un jeu de versus, en plus. Oui, c'est du versus. Faut attraper une deuxième manette, par contre. Faut avoir une deuxième manette. Ouais. Bon, je vais aller chercher. Mais ouais, il y en a une dans le bac à linge là-bas. Ah putain. Oh, le bac à sable. Hop, hop. Putain, j'arrive pas à fuir le jeu. Comment on fait exit? Voilà, quit. Bon, ça m'évitera. Voilà, là j'ai la souris. C'est bon. Hop, hop. La culturation. Passe la manette. Il va dedans, ce mongol. Voilà, et les gens se moquent toujours. Hein. Toujours se moquent. Toujours. Moi ça me fait mal aussi. C'est parce que j'avais pas mis mes lunettes e-sport. J'avais mes lunettes, c'était bon. Bah oui, putain, j'ai pas de chi. Ouais, ça change tout. Ça change tout, les lunettes. Ouais, le bâtard. Il y en a un qui a trouvé Will Tupac. Hein. Oh là là, stylé. T'as vu ou pas? Il a gagné combien, Will Tupac? 1000$. Ça va, combien de 1000$, hein? Bah, c'est de l'argent. Regarde, attends, c'est où? Est-ce que c'est jouable plus qu'à 2? Je sais pas. Non, je pense pas. Regarde. Il a trouvé le Toops. Oh. Ah, bâtard. Il a effacé le tweet. Oh, le tweet n'est plus dispo. Il a porté plein de tweets. Combien? 51, Will Tupac. C'était sur quoi? Sur Street 4 ou sur... Sur Street 5, je pense. Ouais, je pense que c'est Street 5. Vu le nombre de tournois qu'il a gagné sur Street 4, je pense pas que ça soit pour ce jeu là. Bah, sur Street 5, il a pas gagné. Il a gagné. C'est les vraies questions. C'est pas. Plus dispo. Parlez-moi un peu du Toops, hein. Je suis pas d'accord. De quoi? Le Toops. Je dis quoi? Moi, je. C'est le meilleur d'entre nous. Bah, je le sais bien.
Hélas, c'est malheureux, mais c'est vrai. Mais son palmarès ne reflète pas ses qualités intrinsèques. Malheureusement, c'est bien ça, intrinsèque. Attends, je l'ai pas acheté le jeu. J'ai peut-être pas encore acheté. Non, c'est dans le panier. Ah, dans le panier donc, repas. Panier, voilà. Piano. Pff, c'est un prix, hein. Ah, j'avoue, c'est un petit prix. Faut demander, est-ce que tu penses que le chat mérite d'investir cet argent? Cet argent durement gagné. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. À la sueur de mon front. Oui. T'as lu et t'acceptes les termes du contrat. Voilà, là. Je crois que je vais le regretter. Tu crois? Installé. On installe. Suivant. Espace disponible. T'installes les deux jeux, là. 99 ouais. Vides et l'autre truc. Ah, bah, tu spoil l'émission, toi. Je ne sais pas. On sait pas. Ils n'ont pas entendu, c'est pas grave. Les gens, de toute façon, ils comprennent pas, ils écoutent pas dans le chat. C'est vrai. Alors, il est où Need Dog 2? Il s'installe, chemin faisant. Chemin faisant, d'ailleurs. T'es charge combien, là? Tu connais Moon to Your Friends? Non. C'est chef d'œuvre. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ça c'est... Quoi comme, c'est quoi comme délire? C'est... En fait, si tu dois... tu joues ou passer la manette et chacun doit passer au-dessus de l'autre. Ah si, t'avais joué avec équipe, avec le temps, je crois, non? Va sur la page quand même du jeu, là, qu'on regarde et ça joue à combien. Ah, peut-être. Hein? Va sur la page du jeu, on regarde à combien on joue les histoires. Non, le Nidog. Mais c'est bon, il est presque terminé. Non, mais on regarde si ça joue à 2, 4... C'est bon, le nôtre, ça joue à... À 1,5. Attends, hop. De quoi? Ça joue à 2, normalement, c'est... Juste 2, c'est pas à 4. Bah, je pense pas, vu que c'est un jeu 2D. Enfin, c'est du combat sur un plan 2D. Ouais, combat, je vois que ça se déplace un peu. Oh là là, ils l'ont mis là-bas. Putain. Ah oui. Ah oui, ah oui. Purée, short, hein. Complètement short. Attends, je vais mettre Nidhogg 2. Ah, c'est un petit. Alors, Nidhogg 2, voilà, book. Oh là là, on a la frame là. Sur le game. Mais on peut. Quand même. Tu voilà. Peux même dire FR, EN, ES, ah oui. Italien, on parle tout, la créole. ES, oui, ça. JP. On met quoi? Tu veux mettre quoi d'autre? Tu mets EN, tu mets JP, japonais, tu mets créole. Ah ouais? Avec créole, c'est. On ajoute JP. Voilà. JP. Et créole, tu es quoi? C'est C'est KR. KR. Ah ouais? KR, ça fait coréen, non? Mm-hmm. Bah, je sais KR. Pas. KRL. Non, c'est, pas, c'est ça, c'est le jeu. C'est le jeu. Du coup, Il a l'air trop bien ouais, pour nous. Des graphismes pour les personnes. Ouais, ils ont essayé d'avoir une patte graphique. Et c'est là que le bas blesse. Arcade. Ah, oh, moi, je joue en mode options. Arcade, tu vois. En mode arcade, hein. Va dans les options quand même. Options. Les bails. Toujours aller dans les options. Vidéo, options, Windows WED. Full screen. Ah, tu le mets en full screen. Ouais, mais il le met là-bas. Bah, mets-le en Windows WED. Après, il faudra lui dire que l'écran du milieu, c'est l'écran principal. Windows WED et il nous l'a remis là-bas, d'accord, ok. Pour lui, l'écran principal, c'est l'écran. Attention, on va faire une capture propre. C'est important quand même, le confort de l'usager. Je viens de sortir. Comment on fait ça? Hop, ça. Ouais. Non, dessus, si. Hop. Property, et là on change. Non, c'est là. Hop. Ok. Et. Il n'y a pas un contrôle F à faire là pour faire full screen, c'est pas ça? Et là. Voilà. Non, oui, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Alors, vas-y. T'avais branché la manette? T'avais branché? J'ai branché les deux là, ça y est, on est là. T'es sûr? Ah, il y a du online. Ah, hein. Y a du online. Ça se trouve, ça se tape déjà. Il hein. Y a déjà un later. C'est quoi? How to play? Vas-y. Gauche, droite, au bas. Jump. A sauter, X attaque. Pick up weapon. Ouais, tu te baisses et O, X pour jeter. X. Okay. Très bien. Oui, et avec ça, je rappelle que c'est un vrai jeu de versus parce que ce jeu a failli être à l'Evo de cette année. Ah ouais? Bah, tu sais, il était dans les votes pour le dernier jeu. Comme si les Américains, ils n'allaient pas voter Marvel. Ouais. Il y avait. Il y avait ce jeu-là, il y avait Pokken qui était pas loin de gagner aussi avec Marvel, c'était tendu. Il y avait Nidhogg et Windjammer. C'était le premier qui était dans la liste. Parce que
que le Nidhogg 2, il vient de sortir. Oui, 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 bien sûr. Oui, bien sûr, mais je veux dire la, la licence. Donc, quoi, c'est un match-up versus. Voilà, c'est du versus, IP, c'est officiel. IP. Le Salam Hakimi, local, quick match, ah, ça... tournament. Tu veux faire un tournament player, hein. Ça veut dire qu'on peut aller prendre une autre manette et rajouter d'autres joueurs. Non, je pense que ce sera, on se passe la, les deux manettes. Je suis pas sûr de ça. Ah ouais? Oh, et c'est e-sport, hein. T'as vu, il y, y a le winner bracket. Ah, je mets on, hein. Nos limites, nos limites de temps. Tu joues sans la limite de temps, c'est jusqu'à ce que mort s'en suive. Weapons, cheat, il y a des cheats. Waouh. Waouh, le boomerang, no dive kick. Ouais, mais il est e-sport ce jeu, en fait. C'est Yola, en fait, on est là, nous, on croyait qu'on allait schnapser, mais non. Le fond d'écran est hypnotisant, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que le fond d'écran est hypnotisant. On start le tournament, hein. Player 1, player 2, player 3, on ne sait pas qui est qui, c'est parti. Ils sont en short. Player 2 ou player 3? Moi, je suis player 3. Tu penses? Ouais. Non, je crois que t'as appuyé Reddy, moi j'ai pas... Si, moi j'ai appuyé sur... Moi j'ai appuyé... Je sais pas, je joue. C'est qui joue? Moi je suis player 2 alors. Hop, une dive kick. Oh, c'est vrai que le jeu est pire que qu'avant. Oh là là. Oh, le bâtard, il connaît. Oh, mon âme. Book. Wow, direct. Ah, tu peux faire un pop, ça tue direct. Book, en entière, et c'est bon. Hop. Tu te souviens du principe du jeu? Oh, t'avais un arc. Le but du jeu, c'est de... passer ouais, c'est d'aller d'atteindre le bah oui. Oh là là, ah, c'est parce que t'as appuyé le milieu. Ah là là, faut pas appuyer le milieu. Ah, je mets une flèche dans le torse. Ah, c'est pas mal la flèche, je pense. Hop, je cours, ma culotte à la main. Ah. Oh merde, ah, j'ai plus d'armes. Hop, ça va. Esquive, tape, patate. Ok. Je t'ai pataté. Oh là là, c'est dégueulasse. Oh là. Oh, comment je réussis à remonter? Je réussis à remonter les enfers. Hop, une entouloupe. Ah. Mais pourquoi tu rappuies à chaque fois? Bah oui, tiens, prends une arme dans la tête. Et ça gagne. Pas... Ah non, c'est pas... Ah oui. Oh la dive. Oh, c'est bon, je suis passé. Tac 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 tac. Et là, le grand Zizi mortel vient te tuer. Vient te croquignoler. Donc moi je suis player 2, toi t'es player 3, donc Choco c'est player 1. Donc vas-y. Mais t'as encore les... Y'a les losers. Y'a les losers. Attends, vas-y. La manette. Ah oui, tu veux jouer. Vas-y. Ah, mais attends, je me décale. Si, on se décale. On se décale, voilà. On se décale. Ça va, c'est bon. Si tu veux le casque, le son. C'est bon, j'ai le son. Ah, t'as le son? Moi, j'ai rien pigé au jeu. T'as branché où? Bah, j'ai branché sur Zbog. Ouais, il a branché là, ici. Il a rajouté un truc. Ah ouais! Ah, bah, c'est arcade perfect. C'est arcade, c'est l'e-sport. Ok. Ok, donc toi, t'es Mickey et moi, je suis l'autre. Ça joue les persos en short, hein. Hop là, le jeu est tellement là, c'est abusé, hein. Ouf, belle esquive. Ah, le bâtard. Non, là c'est en neutral game, hein. Il faut que d'abord tu tues, hop, en entière. Ah, faut tuer avant. Ah bah il faut tuer avant, hein. Ça reste un jeu de versus. Oh là là, il m'attend en bas. Ah, je vais me faire planter. Hop là, et la phase malgache. Oh non, qui a pas passé. Tiens, ah, je l'ai stabé. Comment tu sautes? Bah, t'as deux boutons dans le jeu. T'as X pour sauter et t'as A pour taper, ou non, c'est X l'inverse. Pour sauter. La flèche dans le dos. Voilà. Il y a roulade dans le jeu, hein. Là, il y a roulade. Il y a roulade, hein. Oh, le bec. Hop là, hep, salut la compagnie créole. Ah. Ah. Ah non, putain, je me suis baissé dans le recovery de ma roulade. Oh, le bâtard. Putain. Ah, le mec. Ah. Ah. Ah, 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 je me suis crevé quand même.
T'as un bouc dans l'eau, dans le, dans la tête. Ah. Ah mais c'est relou les hautes herbes parce que... Ah je crois que je t'ai crevé, non? Ah le bâtard, comment il s'est... Il est où? Ah le bâtard. Oh il a... En fait il a réussi à intercepter. Oh là. Ah le bâtard. Eh mais je t'avais pas boumé. Ah je comprends rien. Ah mais j'ai jeté mon arc. Truc qui sert à rien. Ah il a gagné je crois. Ah non. Vite. Ça se tape hein. Ah le bâtard. Ah. Hop là. Les footsies. Hop là, salut la compagnie créole. Oh bâtard, il taille plus vite que moi. Ah le bâtard, il m'a crevé. Les persos, ils sont pareils. Ouais, bah oui. C'est pour ça que c'est e-sport. Ah bâtard, c'est lui qui m'a crevé. Ah putain, j'avais un vieil arc. Ah là. Je taille. Ah le bâtard, j'ai choisi en haut et comme pas ça, il a fait atterrir en haut. Il a été découpé, mon gars. Voilà, oh, en entière. L'entière, il est là où? Allez, vas-y, bloque-le, parce que... Ah, tu intercèdes. Ah, oh putain, j'ai pas réussi à l'avoir en entière. T'as découpé. J'attends en haut. La capoeira. Ah, cette balayette, t'es écrasé. La balayette de la cité. Vas-y, cours. Ah. Oh là là. Bah, respecte un peu les anciens. Oh oui. Quasi chien. Ah. Oh, le bâtard. Oh là là, glissade. Voilà. Ah. Ah, le bâtard. Tu peux faire des balayettes. Oh, comment il m'a mis une flèche dans le pied. Bras du soul. Dans le tibia. Oh là là. Petit béqui. Oh le bâtard, il a une esquive. Hop là. En tourloupe malgache. Hop là, salut la compagnie. Ta. Vite, cours. Ah le putain. Oh le bâtard. Il a fait ma strat. Oh le bâtard. Oh là là, ça. Ah oui. Cours. Ah le bâtard, il m'a planté. Jette quand même. Tu peux pas parer, genre quand le mec il jette un truc. Si, bah là il a paré. Vite. Ça gagne. Ah. Oh là là. Ça gagne. Ça gagne. Oui. Oh, pas mal. Tiens. Les losers. Les losers. Oh là là. Eh mais faut faire des tournois de ce jeu. Faut faire des tournois. Mais obligé, ça va se buter. Putain, s'il y a des tournois online, c'est craqué hein. Bouc. Hop, tiens. Il m'a désarmé carrément. Hop. Oh là là, tue-le là, voilà. Toi t'es qui? T'es qui Chocobo? Moi je suis. Ah t'es le rouge. Wouah, ça tire dans le dos hein. Hop, fais des dive kicks en l'air hein. Tu appuies coup dans le. Ouais. Bah je pense que le mieux c'est de sortir de l'écran en fait. Mais là t'es où? Ah oh, il est tombé. Est-ce que du coup il a pas gagné? Oh oui, belle entière. Ouh là là, il peut revenir.
Zbog va-t-il revenir? Oh là là, l'espoir à son meilleur, attention, est-ce que tu peux réapparaître? Oh là là, c'était ta chance! Oh, oh putain, je suis tombé! Ah là, t'es encore là! Oh là là! Oh, 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 il t'a éprouvé! Oh là là! La gueule, là. Ça veut rien dire. Le chauve! Le chauve a gagné! Ok. Oh, la finale! Il est sur PS4, son jeu à la con? Je sais pas sur quoi il est sorti. Je sais pas s'il est sorti sur PS4. Non, on a vu la sortie tout à l'heure, c'était écrit. De quoi, attends? Non, c'était Sonic qu'on avait maté. Ouais, Sonic. Sonic qu'on avait regardé et pas Need Dog. Attends, faut regarder Need. Sonic d'ailleurs, très bon jeu, faut dire aux gens, il sort le 29 août. Il sort le 29 août sur Steam. Sur Steam. Mais il est. Et du coup, est-ce qu'il est sorti aujourd'hui sur console? Oui, bah ouais, oui. Les gens qui sont déjà. Le Toops. Bah oui. Champion du monde des jeux vidéo, il joue déjà. Bah, je voulais y jouer, mais ça voilà. C'est un bon jeu. Hein. J'ai pas pu. PC, PS4, hein. Si, il est en PS4. PS4. Ouais, il est sorti aujourd'hui sur PS4. Non, mais je parle de Need Dog 2. Est-ce, qu'il y a le, est-ce qu'il y a le cross-platform du coup? Ah, je sais pas. Je sais pas. No! Comment mais no? No. Oula. Non, c'est ton main menu. Non, non, faut faire de côté. Ah, voilà, c'est bon. Je suis player 2. Ouais, toi t'as ton chauve moustachu. Putain, le charisme. Oh là là. Mais moi j'ai jamais joué au jeu, hein, faut dire aux gens, c'est la première fois que je vois le jeu de basket. Oh le bâtard, il a même pas réfléchi. Oui. Oh putain, merde. Tu regardes, je sors de l'écran, comme ça j'apparais là-bas. Mais non, le mec il continue. Oh merde, il y avait un trou. Oh putain. Oh là 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 là, et j'ai une sale arme, et retrou. Oh là là. Arrête là, comme si t'allais. Oh non! Un! Allez! Ah! Oh non, putain! Du coup, j'ai fait une roulade pour esquiver le truc. Tiens, en entier. Tiens, mon gars. Hop, je reprends l'épée. Salut. Ah, le bâtard! Putain, je suis baissé trop tard. Ta télé, elle lag, frère. Ah! Oh, le bâtard, il a une arme. Hop! Oh, putain, qu'est-ce que j'ai fait? T'as le meilleur zooter. Oh! Final screen! Non! Oh, heureusement que je t'ai goumé! Heureusement que je t'ai goumé! Ah, le bâtard, il m'a goumé! J'en atterris ou pas? Oui! Ah! Voilà, c'est bon. C'est bon, on repart sur les bonnes bases. Et oh, de toute façon. Oh, on est morts tous les deux! Du coup, c'est quoi alors? Ah! Ah! C'est là qu'il attend pour rien. Bah, t'es bête ou quoi? C'est moi? Ah, c'est toi qui avais la flèche. Ah, bah oui! La flèche, c'est vrai. Oh là. Oh le bâtard! Ah là! Ah là! C'est pas le but de concert raté! Voilà. Voilà. Est-ce que tu peux faire des frappes? Genre tu fais genre tu vas te déconstruire. Ah putain! Ah! Mais non! Ah oui. Ah non putain, la re-même face que tout à l'heure. Oh là là, c'est moi d'un kick en fait, c'est ça. Hop là, la glissade. Oh putain, c'est moi qui fais le tacle à la gorge et c'est lui qui gagne. Ah oh, mais putain, c'est tellement zéro le. Ah oh, ouais, t'as. Ah oh, tu tapes dedans, ça renvoie. Hein. C'est un peu blagué ça. Hop. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé dans le trou. Dans ah, mais regarde, ils m'ont mis sur mon mis au-dessus du trou. Ah, oh, c'est truqué. Book. Ah oui. Oh, c'était chaud, hein. Ah, putain. Ah. Oh non, il a gagné. Non. Ah. Ah, la frame. Ah, dans la tête. Oh là là, une arme. Ah. Ah. Putain.
froid, c'est chaud. Ah, on est morts tous les deux. Ah, putain. Où je suis? Oh non, les bâtards. Oh, les bâtards. Oh, j'ai perdu, là, c'est sûr. Ah, putain, sa mère. Ah là là, je remonte le loser. Je remonte les losers bracket. Grande finale. Bah j'ai le... Ah mince, j'ai l'orange du coup, non? Non, je crois que c'est... Ah ouais, c'est si, ouais, du coup, je suis le rouge maintenant. Ah mais c'est mieux le lot en fait. D'accord, ok. Oh là là, je suis pas... Ah, oui, d'accord. Très bien. Oh là là. Oh oui. Super, ouais. Oh, le skill. Oh non, je suis mytho. Genre le ton petit dague là est plus de range que mon truc. Ah putain, j'ai sauté alors que j'aurais tapé sur le rendez-vous. Voilà. Oh là. La méta. Je crois que l'arc il est pété en fait. Oh là là. Ouais, l'arc c'est pété. Oh là là. Cet archer, on dirait les golas. Les gros las. Oh le bâtard. Oh, oh. Je reviens. Oh. Oh là là. Oh là là, j'ai mis une esquive rotative. Ah, yes! Yes! Oh putain, je sentais la victoire approcher. Oh oui. Ah bah. Ah, le truc qui monte et descend aussi. Hop là. Oh, vas-y, bah c'est ça. Yes! Yes! C'est ça, le jeu est fascinant. Il y a une méta quand même. Oh là 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 là. J'ai gagné. Voilà, il faudra que je poste. Hein, c'est e-sport. Hein. Champion du monde. Champion du Day champion One. Du monde de Nick Dog, alors, dans ce cas-là, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe? À la fin, il y a une remise des prix, il y a un truc ou... pas. Non, c'est tout. T'as gagné et voilà. Et B, tu quittes. Voilà, c'est tout. Il y a pas de. T'as gagné, GG, et salut, rentre chez toi. Très bien. Teste le online. Le online. Find de nos opponentes. Ranked, hein. Ah, le on. Max distance. Max distance, low, medium, high, any. On OS tout. Are you okay, any? Hop. Est-ce qu'il y a un mec qui l'a acheté? Bah c'est... Parce que le jeu est sorti il y a une heure ou deux, tu vois. On est déjà les champions. Hein. Genre, le tonton, il avait prévu, il avait déjà mis dans le panier pour intercepter. Bien sûr. Les grandes préparations de stream, hein, les gens les voient comme ça. Les grandes germinations. Tout le monde est égaux. Ce breakbeat a samplé. J'avoue. Bah, je crois qu'il y a personne. Hein. Non, connecting people. Hein. Je suis le seul connard qui a acheté le jeu le Day One et qui cherche... Et qui cherche à tuer. Ah,
Opponent disconnect, you win. Ah ouais, bon, voilà. J'ai gagné. Il a gagné. Il a le stream, il a fait, c'est trop fort pour moi. Je vais pas relancer le online, du coup, vas-y. Find. Mais peut-être faut mettre en par ranked alors. Non, moi je pense que tu laisses en ranked, mais en max distance tu laisses low par défaut. La plupart des gens ils vont pas changer en fait. Ouais, non, mais je mets any ça au S2. Je sais pas. Mais moi je crois que ça porte du ranked. Ils ont peur le ranked, le Day One. Ah, y'a un autre mec qui se fume. Ouais. On m'a dit qu'il vient se taper là. On le tue. C'est qui stream, on va aller. On va aller versus le chat. Hein. Bon. On va aller sur son chat et on lui dit de venir là. Voilà. Et on le tue. Allez les frères, allez. Il est où? Hop. C'est Skip. Moi j'ai un cooldown. Ouais, c'est lui là. C'est quoi ça? 1v1 mi chat. Hein? Hein? Ah ouais, ça demande à 1v1. Hop, attends, on va le chercher sur scélérat. Mais il fait le mode story là. Mais là, il y avait un contre chat, allez. Hein? Je vais dire. Mais il est en quelle langue, lui? Oui. Bisou. Ah, il faut avoir vérifié l'email pour lui parler. C'est... Oh là là. Le mec, ils sont 130, il faut vérifier l'email pour lui parler, quoi. Non, tu sais ce que tu fais? Fais-lui un MP direct. MP? Ouais, tu prends son pseudo, là, dans la liste de pseudos. Non, non. Tu cliques en bas là dans la liste du chat en dessous. Ouais. Juste en dessous. Voilà, à droite. Ça. Tu regardes le mec là qui diffuse et tu lui fais un bug direct. Tu lui dis bien joué. Comment il s'appelle le bar à Skull. Voilà, tu cliques dessus. Voilà. Et tu fais le chat message. Ça. Et là tu lui parles tout de suite. Tu dis comme 1v1. Les paramètres de cet utilisateur l'empêchent de recevoir le chuchotement. Oh là là. Hop, et en attendant, ça gagne 2 matchs. Hein. Les yeux bandés. Ah oh là. Ouais, non, il veut pas. Il veut pas. Le gars veut pas de nous dans la commu. Dans la commu de Need Hog. Mais c'est quoi ce Twitch où tu peux pas... Je sais pas, j'ai l'impression que lui il a dû mettre des paramètres dans le truc et tu peux pas lui envoyer des messages. Il y a des gens qui font ça. Ah ouais? Mais ce qui m'étonne c'est que le gars il est un peu random quoi. Il est le random. Ouais, c'est vrai à dire, il est peut-être juste... C'est pas. Il aime pas les gens, c'est tout. Ah, il aime pas les gens. Il a pas écrit malheur. Ça stream pour lui-même, pour avoir une haute opinion de lui-même. Attends, y a pas des français qui sont des gens. On va trouver un français. On va trouver un Céphalan. Un des pixels, là. Ah, voilà, lui, un des pixels. Voilà. Je vais tellement le défoncer, le champion du monde. Ouais, voilà. Le champion du monde, ça parle pas. Bien, on se tape. C'est pas possible. Voilà, allez, pas de direct. Sérieusement, c'est censé marcher ça. Connecting. Ah ouais, en plus, il dit c'est le plus fort du monde, les gars. Ah, il fait. Il cherche en quoi? Il cherche en quoi? Attends. Merde. Il cherche en. Ah, il a mis off. Distance. On. Online. Vas-y, je vais skipper. Mais à vite, Fred, c'est quoi ton idée? Quelle est ton idée? Find an opponent, c'est ça? Fuck. Ouais. Mais quoi, il a mis any? Et il a mis off. Mais rank, mais médium. Oh, médium. Ah, mais low et il met sur jouer. Off. Attends. Je vais vous laisser à plus méta. Off. Et là, il a mis sur low. Il en recherche deux matchs qui viennent pas. Non, mais il fait des minds, il change à chaque fois. Attendez, je sais pas. Non, mais cherche quoi, faire. Revenir là. Voilà. Rien. On va le trouver là. Là, on cherche tous les deux en même temps. En médium. Et là, normalement. En médium, mais moi j'ai fait Eni, ça trouvera forcément quelqu'un. Ça devrait venir. Sur la JVTV, ils font du match online ou ils font du. Ah, c'est du online. Je sais pas si dans le chat, il y en a une boîte de monté et qu'ils font du local. Du coup, ça expliquerait pourquoi moi je me fais en chat. T'as vu, ça trouve pas. Online. Sinon, dis-lui, file ton ID, tu l'as sur le truc, la JVTV. Quelqu'un peut aller espionner online. Sérieux?
On te tue. Pourquoi chez moi ça marche pas ? On te tue ! On est online. Mais ça marche pas. J'y vais. Vous croyez ça ? Vous l'avez cru celle-là ? Non mais attendez, on croit bien mec. On croit bien mec. Okay. On... Là je suis en enquête on. Filton idée. Steam. Pourquoi la joue ? Ah ça y est, j'arrive. Ah il a trouvé un match lui. Albata, il a trouvé un match. Oh c'est stylé, Monique, on peut choisir et tout. C'est low underscore 0. Low underscore 0. Nickel, moi je suis prêt, grave. Alors c'est qui ce mec là? Là je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est bon ou c'est bon. Attends, mais là il va se taper. Attends, je regarde. Low underscore 0. Ah non, mais ouais, non, mais ça a chier là. Ah, comme ça. C'est qui le mec en face? C'est un mec JVTV là? Non. Et jamais tu dis. Moi, Xanadu, je crois que je m'appelle. Xana. Underscore 2. Ok, ça va chier. Underscore 2. Alors, voilà. Ce online, petit zone. Voilà, meurt. Ouais, l'online, il a l'air schnapp, ça. Alors, hop, invite friend. Bah, tu mais je suis pas friend avec lui. Ah, ouais, non, il est chaud, ça s'en fout. Est-ce que j'ai de la place? Tu me dis, les mecs, ils servent à rien. Tiens, comment je fais? Je sais même pas comment on rajoute quelqu'un dans ce team, moi. Aïe. Il est en dessous. Non, pas un arc. Là, dessus. Non, non, tu peux sur la fiche. Bordel. Ah, et sérieusement. Là, elle est là. La fenêtre, voilà. Là, j'ai cru pouvoir m'en sortir. Un ami. Comment j'ai raté? Zéro. Non, il n'y a pas de problème. C'est LO0. Ouais, LO underscore 0. Va te faire voir. Voilà. Maintenant, je remonte. Loser. Maintenant, je remonte, mec. Je sais pas c'est qui. Alors, c'est lui, là, Laurent. Ça a l'air d'être lui. C'est Loloche. Ouais, elle a une tête de Loloche. Oh, je l'ai eu. Hop, impossible à dire, votre petite d'amis est pleine. Bah, c'est ce que je t'avais dit. Ah merde, j'ai comment on vire quelqu'un alors? Ah lui, il y a 44 jours. Fleur d'anus, c'est pas quand t'es fui. Ouais, non, pas Fleur d'anus, c'est un frère. OZL, 53 jours. OZL, il se connecte des fois, c'est juste. C'est du cheat. 120 jours, va te retoucher. Tu peux dire, tu dis, tu cliques dessus. Ah ouais, il va m'enchaîner à l'arc en fait. Supprimer, va te recoucher. Non, supprimer, va te recoucher. Voilà. Et là, tu rajoutes. Sacrifier sur l'hôtel. Non. Il a gagné. Mais, oh, j'ai perdu. Oh là là, la malade. Et mon chat, là, tu veux pas. Voilà. Il veut pas mourir. Et toi, comment on a eu le chat moi, là. C'est peut-être sa liste à lui. Bon, mais j'ai perdu. Vas-y, il a refait l'invite dans le jeu. Parce qu'il est en train d'appeler, il est en train de chercher un match. Là, ça cherche là. C'est JVTV qui m'a découvert. Ça cherche, je comprends jamais. Nous. Oh putain, il trouve des gens, lui. Tu vois, regarde, c'est Waiting for Player infini. Mais lui, il trouve des gens à l'infini et nous, non. Il joue en ranked. Ah, il joue en ranked. D'accord, il a mis ranked. Ranked, on et ni, vas-y. Connecting. Ah là 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 là. Il trouve des gens. Non, jamais trouvé. Il aime pas l'arc, il aime pas. C'est encore la connexion JVTV qui fout la merde. Ah, ça c'est bien possible aussi. Je crois que c'est le firewall derrière. Ah bah le firewall est maléfique. Hein. Non, il y a des portes spécifiques à ouvrir. Bah oui, c'est possible ça. Bon bah voilà. Je suis sûr que j'aurais joué chez moi, je trouve des gens à l'infini. Mais ici, c'est la maladie. Change de gens là dans le chat. Faut qu'ils MP tous Monsieur Bordas. Il s'occupe du réseau de Webedia. C'est tant que ça bouge. Tu crois? Soit il est même plus là, toi t'es à l'ancienne. Les ports UDP bloqués? C'est quoi UDP? Là, t'as des requêtes TCP, des requêtes UDP. TCP, ça part dans le sens. Tu as des kangourous ou des Mickey? Ils me font pas d'ose. Bon, bah, vas-y, on va faire le mode arcade, tiens. Allez.
Arcade. Pouah. Oh là 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 là, c'est tellement la vie ce jeu en vrai. Oh là là, il est magnifique. Pouah, il y a le verdu ou Hakin hein. C'est pas beau. Oh là là. Torso. Ah, tu peux régler. Tu peux faire ouais, wouah. Ouais, et Blanca. Regarde, je lui mets des cheveux. Je suis sûr qu'il y a les... Il y a pas une... Ah non, cheveux, ils aiment pas par contre. Oh là là, dommage, on avait pas les cheveux rouges et c'est Blanca. Non, là, c'est les accessoires, c'est pas les cheveux. Ah merde. Ouais. Ah voilà. Oh là là. Fouah, le hipster. Ah, ça, ça peut blanquifier, ça. Fouah, t'as deux étoiles. On peut pas changer la couleur des cheveux. Oh là là, torso, legs, hair, accessories. Oh, c'est bien comme ça. Oh, oh là là. Un petit... un petit... comment ça police. Bah oui, c'est stylé, là. Oh là là. T'as le petit gilet indé, il est là, hein. C'est vrai que oh, le soutif, le soutif, il me chauffe trop. Les... Ah, l'équipe, c'est un grand équipe. Ah là là. Oh, ouais, la culotte. Les... Non, le short de Blanca, il est garanti. Après, quoi ? Accessories. Petite moustache, c'est un accessoire. Hein. Oh, il est stylé comme ça. Les cheveux. Oh là 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 là. Avec Itaï, t'as passé une nuit chez lui. Itaï, t'as passé une nuit chez lui. Tu vas. Hein. Oh là là, il est garanti. Oh, cette coupe avait le bois aussi. Typique. Génius aussi, tu l'as fait. Oh là là, une grande germination. Putain, le soutif, c'est tellement le charisme quand t'es un homme de mettre un soutif. Tu penses pas? Regarde, hop, un soutif, mon gars. Tu vas faire un soutif. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Ouais, c'est moi qui tac, mais quoi? Bah, je vais planter les burnes. Hop là. Hop là. Ah, le bâtard. Ça. Hop, tiens tes burnes. Pourquoi? Ah merde, j'ai pas vu le trou, putain le monde. Non, c'est ça. Oh là là, oui. Ah, oh, il a essayé, hein. Regarde. Ah, il m'a trouvé quand même. Ce petit regard. Ce petit regard en mode... Mais non. Discrétion. La dingue. Il a combien de niveaux en tout, du coup? Une dizaine? Je sais pas. Bah, attends, ça, tu joues à 10. Mais le jeu est dit, bah, franchement. Hey. Oh là là, je sais pas quoi je l'ai fait. Ah, on peut pas planter les oiseaux. Ah, oh, le bâtard, il m'a planté dans le soutien. Il a révélé ma fausse poitrine. Tiens. Hey, hop, on a dit. Yaha. Ah, tu me prends. Il m'attend. Ah, il m'attend alors que. Non, non. Thank you.
Mais est-ce qu'on débloque des trucs quand on fait la fin du jeu? Peut-être qu'il y a un mode story, on sait pas. Bah oui, il faut tuer. C'est l'arcade. Oh, oh le dingue. Oh, quoi? Tu as mis une... Cosmo LVH. Attention, le top est fer quand même. Hein. Attention, le top est fer. C'est en mode non violent. Ah là! Le dandisme! Oh là 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 là! Oh là là, il t'a dive! Oh, il est parti prendre l'arme! Ça se tape! Hein. Oh là! Enfin! Il a trop cool dans l'axe! Ouh là là, c'est esquive! Là! Le Highlander. Il a jeté. Quand tu rentres, il y a 20, il va promener tout ça. C'est bizarre. Il y a plus d'argent qu'à Dota bientôt. Hein. Il y a plus d'argent qu'à Dota sur ce jeu. J'en suis sûr. Waouh! Boucle les écureuils. Je sais pas, non, on peut pas tuer les bestioles dans le jeu, j'ai l'impression. C'est Greenpeace un peu le jeu, non? Les hommes ça va, mais les animaux. Je sais pas si c'est vraiment des hommes, hein. C'est pas déjà lui, il est insoutif. Hop, très bien. Wow. On dirait pas un peu des Simpsons. Bizarre le design des persos. Wow. La tête. Ça c'est bizarre. Ah. Il y a des footsies. Ah, ils me sont pas allés. Tiens. Putain, il récupère. L'e-sport à son meilleur. Il a vu que c'était plutôt proche du dernier style, il a commencé à faire. Il dit baisser le son. Baisser le son de quoi? Baisser le son du jeu, trop fort, je crois. Le son du jeu, attends bien, je vais baisser le son. Hop. Voilà, on a baissé le son. Tu entends là? C'est quoi, c'est le boss? Non. Il y a des trucs bizarres derrière. Non, lui aussi, il fait les footies. Oh. Elle a voulu rouler. C'est impudent. Ah le bâtard. Ça s'attend. Ah pas mal. Je crois que je peux passer par où, hein.
Ah, le bâtard. Oh, le bâtard, il m'a... On peut passer derrière. Bah non, mais parce que la porte m'a biaisé. Tu peux monter, hein. Oui, je vais monter. Ah. Oh là, cette esquive. Ah, il est devenu fou. Allez, ah, le bâtard. Il savait que j'allais ouvrir la porte à cette frame-là. Oh, putain, le sac. Oh, le bâtard. Hop. Ah là, t'as raison. Oh, le bâtard. Magnifique. Ouais, y'a un CPU. Ah, le bâtard, il a piétiné. T'as voulu glisser, t'as voulu faire sa technique, mais c'est pas passé. Oh là là, et lui, il l'a fait, et c'est bon. Et lui, il est passé. Putain, il est énervé, lui. Hein. Ça veut rien dire. Ah merde. Pas, c'est oh là là, j'ai ouvert la porte, j'ai fermé. Non, c'est à toi de prendre avantage, hein, donc là, laisse pas passer. Faut que tu lui mettes dans l'œil. Hop, salut. Pas plus dans le bus. Ah, je pense qu'on peut aller en haut. Oh, haut, hein. On peut pas. Ah, c'est bon, il est tombé. C'est propre, ça. Hop, salut. Attention. Ouais, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, c'est quoi? Ah, ouais, c'est dans le cœur du truc. Hop là, salut. Oula. Hey. Oups, je l'ai géré. Je crois que c'était de la cible. Ah, le bug, s'y fait. Je sais pas. Il y a la tête qui fait. Oh, regarde-le. Oh, la tête. Oh, le bâtard. Putain, il veut pas laisser passer. Ah, pas mal. Voilà, merci. C'est fini. Ah, je sais pas. Oh, là, c'est plus ah, fait. Ouais. Toutes ces crottes là derrière. Oh là là. Oh, le jeu est répugnant, c'est magnifique. Donjon, tu es le donjon. Le donjon, oh là là. Il me donne les stages. Putain, mais le jeu est tellement divin, c'est violent. Il me donne les vrais stages. Allez. C'est la violence du divin. Oh, clac, clac, clac. Je suis parti me suicider. À l'aveugle, hein, parce que il a la frange. Fla. Ah là, il y a toutes les armes. Tu peux pas tuer la poule. Essaye de tuer la poule. Ah, il s'en fout, lui, il est dans l'e-sport. La poule, non. Il y avait une poule. Un mort en poule. Ah, oh, carrément. Ah, il t'a gêné avec la porte aussi. Ouais. En fait, dans la frame d'ouverture de la porte, tu peux pas taper. Oh là là. Ouf. Oh, il cherche ses clés. Oh, c'est bon. Oh là là. Oh, j'ai perdu mes clés. Oh, elle attendait. Oh, c'est chaud là. Oh là là. Ah, c'est chaud là, tu peux pas sauter. C'est la mort ou la mort. Ah. Oh, dans l'œil et tout. Ok. Il sent pas les. Ok. Oh, elle a l'air de se taper elle. Hein. Ok, d'accord. Dis... Putain. Ah là, merci. Pff, c'était tellement stylé de courir avec un soutif. Faut que j'aille m'en acheter un direct. Regarde le charisme du perso, il est attestable. La petite brassière et tout. Bah oui, il est trop stylé. La petite boucle d'oreille, elle fait. Elle met un petit charme aussi, tu vois. Oh, oh là là. Putain, il est tellement stylé le perso. Oh, oh là non, là. Mais non. C'est un peu Xanadu hein, dans sa jeunesse. Je pense que c'est la jeunesse de Xanadu ce jeu. Il fait la même anime quand il cherche ses clés par terre. Allez. Pff, tu te fais pas respecter hein. Oh là là, tu te fais pas respecter, c'est chaud. C'est abusé quand même hein. Oh, désarmé, tatata, piétiné. Oh là 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 là. Mais j'aime mieux les portes. Mais j'aime mieux les portes. Là par contre le CPU il est mal fait parce qu'il doit, il devrait se barrer, il t'attend. Donc je pense que c'est un 50-50. Oh oui, bien joué. Oh, oh là là, dans les yeux, dans les yeux. Sautez, jette le truc. Oh. Ouh là là. Pff, t'as divé. Ah, la porte, c'est ton point faible. Hein. Tiens, tu montes pas. On monte pas ici. Ah, c'est Bambi. Bouffe. Ah, il va rien savoir. C'est ramassé. Ah mais là non, là là quoi, là mec, il mais le pas, petit cou- le petit couteau il est fou ah, hein. C'est pas mal. Mais t'as vu ça, il c'est est pas mal, t'arrives à il est rapide j'ai l'impression. Ah oh là là, ça m'a touché sur l'orteil. Bah oui mais c'est ça. Ah ouais, non, les portes c'est ton match-up. Ah
Oh là là, il t'a pas respecté. Non, tu voulais faire ça, tu comptes... Il est un peu quoi de faire, il est un peu vert. Il est énervé, hein. T'as le petit couteau, là. Oh, bien joué, dans la tête. Ouais, ça. Là. Oh, bien joué. Attention à la porte, attention à la porte. Oui, bien joué. Belle gestion de la porte. Oh oui. Ah, il a trouvé le coup qui gagne. Oh, désarmé, piétiné. Oh là là. Oh, c'est bon, c'est le meilleur tueur. C'est bon, là, t'es parti là. Attention, je te la. Oh, voilà. Fla. Oh, ça joue propre. Ça joue propre. Oh oui. Faut les foutre 6. Final screen. Oh ouais. Oh, mais il a trouvé le coup pour désarmer. Ah, oh non, fallait te barrer. T'aurais dû te barrer quand il avait plus d'armes. Et toi aussi, bah tu sautes, tu te barres. T'en fous. Oh là là, pour couronne. Voilà, là tu dive et tu passais derrière, tu te barrais. Oh, c'est bon, barre-toi, barre-toi. En plus, t'as pas d'armes, tu peux courir vite. Ah, je suis porté comme un sac. Il y a fait un genre de tête. Ah oui, en entier. Là, tu sautes au-dessus et tu dive. Ah, là, c'est chaud. Non, là. Oh là. Ah, mais j'ai divé. Ouais, bah, t'as attendu, elle a fait le coup, ça tue la dive. C'est que du mine, hein. C'est Street 5 un peu, hein. Voilà. Là, c'est bon, là, non. Et là, hey. Oh, ah, il a failli. J'ai failli, j'ai failli ne pas mourir, hein. C'est beau. C'est beau. Il reste 3 stages. On va finir le jeu quand même. Oui, on va finir le jeu après la pause, j'entends bien. Ah, petite pause indé, les amis. Encore ce sale jeu. Il teste un peu le jeu, mais le jeu il est craqué aussi, il est prenant. J'avoue. Bon, reviens après la pub, 5 minutes, hein. Mais 5 vraies minutes, hein. Pas celle de Freezer. A tout de suite. We'll be right back.
Je reviens. Pas bonjour, pas merci. Bonsoir, bonsoir tout le monde. La dernière partie de ce stream ô combien passionnant. Après, je crois qu'il y a Atto, non ? Si je ne m'abuse. Faut regarder sur le planning. Le planning, tu crois que ça marche ? Le planning familial. On est le combien, nous ? On est le 15. On est le 15 août. On est le 15 août. C'est le jour de l'ascension. Ah ouais, après c'est Atto. Ok. Ok, ok, ok. On est le 15, c'est vrai, c'est férié, putain ! On n'aurait pas dû travailler ? Théoriquement, on bosse pas aujourd'hui. C'est du travail, ça, les gars ! Bon. Travail rémunéré. Oui, donc Chocobo qui est parmi nous, tu vas être réquisitionné. Voilà, pas le choix. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ? Ça veut dire quoi ça d'abord ? Ça. Non, faut que tu remontes en haut en fait. Monte sur, appuie sur 14 autres. Là non, il a dû dire un truc avant. Et il dit ouais, genre. Pourquoi tu dis ça maintenant ? Genre c'est trop tard. Genre. Pourquoi ? Par rapport à son RT, mais je sais pas, il a du RT quoi. Ah, d'accord, ouais. Attends. Alors, ce sont les top players joueurs de jeux vidéo. Oui, voilà, c'est ça le ça, RT c'est, ça, c'est, non, ça, c'est Eita. Joue, c'est quoi, c'est ça? Non. Ça? Ça, Udeal? Non, c'est pas le Udeal. Non. C'est quoi alors? De quoi il parle? Je ne sais pas. CPT, c'est ça, moi je dis. Parle du CPT. Yakashi CPTD. Colin, bon, ah, c'est cool. C'est qui ? C'est pas lui qui joue Colin, non ? Non, non, il parle de la colline de Punko. Il dit que la colline de Punko était bien, elle était sympa à voir. Ouais, lui, si, lui, il joue Colin aussi. Non, c'est toujours pas. Attends, descends. Attends, descends. Tu me laisses mais pas qui pas a finir. Chialé ? Il me laisse pas finir. Je crois que voilà, attends, remonte. Il y a le truc de Tachikawa, là, ça, là. Ouais. Non, même pas. Le respect. C'est qui ? Bon, là, ouais. Reviens en arrière, c'est pas grave. Lui, c'est le mec qui joue qui joue aux Zangief, là, qui a fait 3e. C'est ça. Un petit Zangief à la manette. Et comment on revient en arrière ? Parce qu'il y a eu le tournoi, là, ce week-end. Ouais, il faut expliquer aux gens. Il y a eu le tournoi ce week-end. Japan Cup. La Japan Cup. Voilà, bah ferme ça. Là. Voilà. Il met le truc. Lui, okay. Et lui, là, il dit quoi ? Toi, est-ce qu'on entend, déjà ? On n'entend pas ? Couper le son du jeu, déjà. Attends, j'essaie de couper le son du jeu. Comment on coupe le son du jeu ? Merde, déjà, faut être sur la bonne scène. Ça ? Ça ? Non. Faut fermer le jeu, c'est pas grave. Ah ! Putain, on l'entend, mais de loin. Oh là là, je veux pas give up. Ah là, y'a plus de son. Il dit quoi ? Là, il rigole ! Je crois qu'il a dû voir un film qui a fait pleurer, il repense au film et il pleure. Je mute. Et zéro. De quoi il a vu un film ? Pourquoi il y a Daigo, il se marre ? Remets au début. Je remets au début. Les types fichent des pieds sur Régal. Rien. Oui, non, il dit que ouais, il faudrait vraiment gagner. C'est de il faudrait faire une carrière sur les jeux de. Ah. Ah voilà, maintenant remets au début du coup. J'ai pensé beaucoup moi aussi. Et je voudrais gagner. En changeant de personnage. J'ai demandé à un pote, ouais. Enfin, moi je veux gagner. Mais sans changer de perso, en fait. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ton côté Attends, il demande à Daigo comment on fait pour gagner sans changer de perso, alors que Daigo, il change voilà, de perso. Voilà, c'est ça, exactement. Okay, en fait, moi, j'y ai pensé, j'ai demandé à mes potes, ouais, moi, je voudrais pas changer de perso, tu vois, c'est... Bah oui, il y a des caractères loyalistes au Japon, encore, ouais, de nos jours, ouais, tu vois. Ouais. Et que lui, tu vois, il se pose la question parce que Daigo, lui, il a changé de perso. Ouais. Et lui, il veut pas changer de perso. Et il se demande pourquoi Daigo a changé et lui, comment il fait pour garder son perso, tu vois. Dans un jeu où tout le monde doute sur son perso. Mm. Et qui lui, il veut absolument gagner avec son perso, tu vois. C'est qui son perso ? C'est Colin ? Je sais pas. Non, c'est Tachikawa, il joue. Non, Tachikawa, il est là, Tachikawa. Ah, c'est lui. C'est lui, Tachikawa. Lui, c'est qui, lui ? Je sais pas, ça doit être un mec de chez Red Bull, là, je sais pas. Je connais pas, c'est un jeune japonais. Il invite plein de monde en ce moment, Daigo, là. Il fait
Il fait l'ancien. Ouais, c'est ça, exactement. Il a dit quoi? Il a dit Yume, c'est son rêve? Ouais, genre, ouais, moi aussi, c'est mon rêve et tout. Même, genre, on en fait un film si tu veux et tout. Genre, c'est le mec qui a persévéré avec son personnage et tout. En mode, il est invincible. Il est arrivé. Ah, les bâtards. Et genre, ça le fait marrer. T'as ce rire. Ah, les bâtards. Le faible. Le vrai faible. Ah, c'est pour ça qu'il pleure. Oui. Parce qu'il pleure de rire. Ah, oh, genre, lui, ça le touche de dire, ouais, genre, garder son perso, être fort et tout. Genre, l'esprit shonen, toi. Ouais, c'est lui qui est là, il pleure pour l'esprit shonen, quoi. Genre, on n'entend pas, nous. Et t'as des mots, ouais, t'es sérieux, là? T'es sérieux? Je suis heureux, tu vois, ça me rend heureux, tu vois. Hein? Dis, ça me rend heureux, c'est tout, j'ai le droit de pleurer. T'as le dragon, il fait, t'es sérieux, toi? T'es sérieux? Il fait, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Putain. Il pleure, mais il pleure en mode, oui, un jour je gagnerai avec mon perso, ouais, et il pleure. Voilà, c'est ça. Esprit Chanel, je garde toujours mon perso. Mais lui, ouais, il joue. Non, lui, il joue Ibuki. En plus, il joue archi pété. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais genre, ça le. Si, je m'en souviens, oui. C'est lui qui a striké la team à Gunfight. Ça l'atteint que son pote il dit: oui, moi je veux pas changer de perso. Comment je fais pour changer de perso? Enfin, comment je fais pour gagner sans changer de perso? Il fait: ouais, franchement, ton truc là, ce que tu me dis, c'est trop émouvant. On va en faire un film. Le mec qui a la volonté de continuer à gagner. Et tu vois, ça le fait. Le Nindo. Il a été touché par son Nindo, en fait. Et Dadaou, il se fout de sa gueule. Il y a du short, hein. Ouais, je peux comprendre. Il a dit quoi? Kimochi, il a dit Kimochi. J'ai entendu Kimochi. Kimochi, ça veut dire les intentions, en fait. Je comprends l'intention, je comprends pourquoi il pleure, en fait. Mais ouais. C'est débile quand même, quoi. Ah, le bâtard d'Aigo. Ouais, genre, ça fait en fait, parce que c'est son pote, ouais. Et il le soutient depuis le day one. Ouais. C'est pour ça que ça le touche beaucoup. Ah, c'est la bromance. C'est ça, exactement. Mais toi, tu il demande, est-ce que toi, t'as le genre de sentiment aussi, et ça t'arrive d'être ému comme ça? Et il fait non. Daigo, il a fait non. Il a fait non, moi je suis un bonheur. Moi, j'ai pas peur. Je suis jaloux, dis. Il lui demande si c'est un point fort ou un point faible, en fait, d'avoir... Genre d'avoir ce genre de sentiment, voilà, c'est ça, ouais. Ah oui, ouais. Ah, c'est stylé. C'est bon, c'est pas grave. T'as le droit, mais moi, je suis pas comme ça. Voilà. J'ai entendu... Il dit, c'est bon, tu peux le cacher, hein, c'est pas grave, hein, tu peux continuer à aller pleurer là-bas. Ah, le bâtard, Daigo lui a dit ça. Ouais. Il a dit, va pleurer là-bas. Ouais. Oh, le bâtard. Putain, ça se fait apps. Son pote, il est en mode sérieux, il demande à Daigo, oui, moi j'aimerais bien continuer à garder mon perso, voilà, et tout. Comment pour pas la tentation, tu sais, de garder mon truc, pas avoir mon âme et tout. Ouais. Et son pote fait, ah, c'est trop beau ce que tu dis. On va en faire un film. Il pleure et tout. Ils sont déjà dedans. Ah, le bâtard. Ouais. Faut remettre le son du jeu dans le truc. Pourquoi? Parce qu'on avait coupé le son du jeu dans la barre de son. Ah, et giusto, et giusto. C'est où? Là, c'est là, Nigodam. Celui-là, faut le monter.
Attends. Ah, ce petit son. Un peu, ah, les sons, ils sont craqués. Hein. Très grave, j'avoue. Je trouve que ça a été fait au pif, mais c'est bien. Un buff musical au pif. On prend cette partie-là, on la met en boucle. Ouais, c'est ça. Ah merde. Ah le bâtard. Voilà, les genoux. Ah le bâtard. Putain, j'ai. Le temps, il commence à être fort. Ah le bâtard. Putain, mais il m'a flingué trois fois de suite. Oh le bâtard. Putain. Invincible à nouveau. Ah le bâtard. Mais il a été stable avec son arc. Just a frame, mon gars. Ah le bâtard. C'est bon, l'ordinateur, il est vrai foutu, ça. Il est énervé. Ah putain, le bâtard. Ah putain, mais je voulais taper dedans. Mais je voulais taper dedans pour la renvoyer. Ah le bâtard. Mais il est intestable. Allez là, salopard, va. Il a perdu son arme. Mmh, oh le bâtard. Voilà. La lucidité. Il a tout dans l'arc, lui, en fait, c'est ça? Oh le bâtard. Il a jamais autre chose que l'arc, c'est ça? Oh le bâtard. Oh, ah, vite, laisse-moi réapparaître. Oh oui. Le génie. Le génie. Pari, mon gars, ça va rien. Moi, je dis jette l'épée. Ah là. Bon, hein. Oh, je jette pas l'épée. Jamais. Hop. Dit-il. Ouais, il a jeté. Oh putain, l'enfoiré. Ah putain, mais c'est trop lent, l'arc. Oh, j'ai tout OS. Oh non, il a l'arc. Vite, 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 voilà, je suis barré. Ah putain, oh, la dive qui passe pas. C'est chaud, c'est chaud. Ça sent la mort. Oh, il a fait un bac d'âge chaud. Oh, oh, j'étais... bâtard. La cruauté. Allez, oh, j'ai l'arc, je suis mort. Allez, tire. Ouais, oh, nickel. Pas mal, ça. Allez, tire. Viens. On va essayer de sauter au-dessus, si on y arrive. Ah non, oh, putain. T'as la frame où j'ai voulu. Hop. Oh, ce skill. Oh là là, ce skill. Ah. Un short de force, ça, avec, hein. Ah, vaut mieux renvoyer bas, en fait. Ah, j'ai compris la faiblesse. Tu renvoies bas, comme ça, au pire, t'esquives la flèche haute, au pire, tu renvoies là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Tiens. Ah, putain, mais non. Ça veut rien dire. Quoi, ces chiens? Ah, putain, j'aurais même pas dû le tuer, j'avais l'avantage. Tiens. Ah. Ouais, dans les tibias, bien. Allez. Oh, mais j'ai voulu tirer bas et comme j'ai mis diagonale, ça a fait le tacle. Voilà. Où tu vas? T'as fait trop tard. Allez, ouais. Salopard. Ah putain, le chien. Je me suis levé pile poil à la frame. Oh putain, mais c'est trop lent là. Il est trop rapide quand il a cette arme là. Ah bah, 50-50. Avant direct, hein, sur tout le point. Oh là, oh, là cette esquive, mon gars. Ah oui, il est tombé. Il a bougé. Oh bien. Oh, oh non, mais quel gitan. Oh, putain. Toute une vie gâchée. C'est dommage, hein. Ouf. Ah putain, le bâtard. Oh, il a pris son arc, hein. C'est son arme de prédilection. Hein. On doit tuer. Allez, allez, allez. Tire. Bien. Shoot. Oh, le bâtard. Oh, c'est... Comme ça. Ce pari... Voilà. Just a frame. C'est nickel, ça. Qu'est-ce qu'on veut? Oh, putain, mais ça m'a encore fait le coup. J'ai voulu tirer... Ah oh, putain, la baise, la baise. Oh nickel, ça. Shoot. Ah putain, le bâtard. Il a joint l'utile à l'agréable. Ah mais j'étais baissé. Putain, sa mère. Putain, le bâtard.
Oh là là, il est fort lui, hein. Oh là là. Oh non, j'ai perdu. J'ai perdu. Ah non, c'est pas fini. Oh non. Oh, oh non. Putain, il a récupéré. Oh, j'ai fait une dive. Putain, t'as vu ça, le skill de ouf. J'ai fait une dive. À ras des pâquerettes. Oh là là, ce duel, mon gars. Duel d'archer. C'est Arrow. Ça veut rien dire. Oh, oh putain, mais quand tu charges, il... Tire en bas, tire en bas. Toujours tire en bas. Putain. Mais non, il les renvoie aussi en bas. Ça veut rien dire, le mec, il te renvoie de suite. Non, l'IA, elle est intestable. Hein. Il est concentré. Ah, mais moi, je joue ma vie. Oh, le bâtard. La concentration est au max. Parce qu'il a collé au dos, là. T'es dos au mur, là, hein. Y'a quoi? Un stage, voilà. Au moins, quand tu passes les arc-en-ciel, déjà, t'as fenêtre de tir, de respiration saute. Je qui tombe dans le trou, tombe. Tombe. C'est qu'à chaque fois, il me renvoie, mais just a frame. Oh là là, dans les frames invincibles. Oh là là. Ah, je joue ma vie, hein. Je veux dire, je joue ma vie, hein. Oh là là, nickel. Oh là là. Vas-y, vas-y, avance, qu'est-ce que t'attends, là. Nickel, il est mort, il est mort. Ah le bâtard. J'ai l'épée, j'ai l'épée. C'est chaud. Bien, bien. N'attends même pas. N'attends ma sol. Oh là, nickel ça. Ah oh. Oh, putain, c'est pas fini. Non, non, c'est pas fini, encore deux stages. Ça se regarde, au bas. Ah, j'ai voulu renvoyer. J'ai fait avec le mauvais timing. Oh le bâtard. Ah. Tiens, voilà, juste là. Tu voilà. Là, non, 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 non. Oh, oh, Forest. Oh. Viens, allez. Allez. Oh le bâtard. Il est tout souci, pas vraiment. D'un dé. Oh putain, mais je veux recharger. Tiens, regarde-moi bien. Pourquoi tu sautes? Salopard. Eh là, cours, cours. Putain, final screen. Vas-y, t'es l'arc, prends l'arc, je suis bien là. Allez. Oh putain, il m'a gonflé. Voilà. Cours, 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 cours. Le chien. Putain, mais je fais le mauvais timing pour envoyer. Tire, il t'attend. Ouais, il voulait mourir, vas-y. Le mec, il veut tuer avant que tu t'arrives. Oh, je lui ai mis une flèche en l'air. Pourquoi t'attends, tonton? Ouais, moi non plus. Ah, le bâtard. Il aime bien attendre, il aime bien attendre. Cours. Le mec il est avec Annie, mais... Bah oui, pour la blague, le panache. Putain, c'était dur, hein. Franchement... T'es just a frame, hein, 21h. Hein. 21h. Ouais, mais il y a encore 20 000 matchs derrière. Moi, je joue pas. Je joue pas. Vas-y, bon, on va arrêter là. On va dire que c'était le boss de fin. Putain, il était énervé, le gars. Pff, oui, il avait tous les minds. Hein. Franchement, il était là en mind. Hein. Moi, je pense qu'on peut faire un dernier combat quand même. Parce que Timothée, il nous a. Il a escroqué. Ouais, il a escroqué. Ah ouais, mais après, le truc va fermer le resto. Ouais, c'est ça. Le chipotelet. Bon, bah, on va pas chipoteler, alors on va y aller.
Bon bah les amis, des salam. Bisous. Nous, on rend à l'heure, nous. Donc, bah, on vous laisse avec Atto, qui l'a déjà fait. J'imagine qu'il va jouer à Sonic Mania. Lui, c'est un mec de la frame. Comme nous. Hein. On imagine. Moi, surtout moi, c'est des que je rentre, dès que je rentre, je l'achète, je joue. Hein. Il y a même pas d'histoire. Ah ouais, ça m'a saoulé parce qu'on s'est dit, ouais, on va jouer sur Steam. Nous, c'est ce qu'on voulait faire. C'était jouer sur Steam. C'est pour ça qu'on a mis Chemical Plant en truc d'attente, tu vois, comme son. Et en fait, quand on est arrivé, bah oui, il sort sur Steam aussi, sauf qu'il sort sur Steam le 29 et le 15 sur console. Donc ils ont fait une sortie avant sur console. La baise. Bon bah, des bisous tout le monde. Le salam, le shalom, Ja Rastafari, Ja Bless, tout ça. Des bisous, à bientôt. On va streamer le chipotle. Les gens. Ah ouais, on peut le faire. On peut le faire. Bon bah, on va streamer le resto sur la chaîne perso. Ok, vas-y. Bon bah, bisous. Ah.